Bisous en 16/9e, c'est le grand luxe. Ah putain, mais faut... peut-être que je lance le jeu, ça serait pas mal. Oui, bah lance paisiblement. Moi j'ai déjà pré-configuré en... Comment on appelle ça? En... config pour du multi. Eh ben bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On prend paisiblement l'antenne là, en train de faire des réglages avec Olive qui a la gentillesse de m'accompagner et qui va m'initier cet après-midi sur le jeu, paraît-il, féerique de Stardew Valley. J'espère que vous allez bien. C'est chill, c'est tranquille. Eh ben c'est bien, je posais. Ah, que demande le peuple? Bon, ben voilà, moi je suis sur le menu. Là, ce que je te propose, parce que t'y as vraiment pas touché, t'as même pas créé ton perso ni rien. J'ai commencé tout juste à le faire tout doucement hors antenne, tu vois. D'accord. Ok, c'est cool. Bah écoute, à la rigueur, vu moi ma connexion pourrave, vaudrait peut-être mieux que ce soit toi qui lance la coop. Ouais. Après, je me rappelle vaguement de comment on fait, mais c'est pas bien compliqué. Hein. D'accord. Normalement, j'ai créé un serveur, moi, déjà. Alors, je vais découvrir l'intro. Ah, on dirait Papy Noël en lutin vert qui dort dans son plumard. Et pour mon petit-fils, très spécial. Ah, il faut... Non, j'allais dire, faut cliquer. Non, c'est automatique. Je veux que tu aies cette enveloppe scellée. Voici mon héritage, je suis endetté de plusieurs millions. Démerde-toi, adieu. L'horreur. C'est ça en fait. Non, sérieux? Non, non, c'est pas maintenant. C'est un peu ça. Je... Ah merde. Maintenant, écoute-moi bien. Il viendra un jour où tu te sentiras écrasé par le poids de la vie moderne. Les impôts? Et ton brillant esprit disparaîtra dans un vide sans fond. Oula. Ah, oh, bonjour Morbo, j'espère que tu vas bien. Morbo qui fait un petit coucou sur le chat d'entrée de jeu. Sur ton stream. Bah oui. Quand cela arrivera, mon garçon, tu seras prêt pour ouvrir ce cadeau. Entre parenthèses, empoisonné. Maintenant, laisse ton grand-père se reposer. X années plus tard, oh merde. Enfin, 20, si on lit en romain. Quoi? Joja. Prosper, rejoins-nous. Travail ou repos? Apparemment, là, c'est travail. Oh mon dieu. Oh, oh la vache, leurs bureaux sont crades. C'est triste, il n'y a pas de fenêtre. Viré. Oh, quelle horreur. C'est génial de juste avoir le son et pas l'image, en fait. Ah. La que vie forcément, par rapport, par rapport au stream, c'est décalé. Voilà, désolé, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Ah, mon perso qui dit il a soif. Il pleure, il est en PLS. Ça, c'est vachement bien fait, j'aime bien le style graphique. Ah, il ouvre le tiroir. Ah oui, il suit l'instruction de son grand-père. Quand la vie moderne te pèsera et que t'en auras marre. Ah, le mec, il va changer de vie. Le gars, il était geek, il va devenir cutéreux. Pardon, ça parle mal, hein, c'est un cliché très rapide. Mais oh vous là là, ça tire à balles réelles sur les paysans, là. Et j'ai beaucoup de respect, honnêtement, pour les paysans. Mais c'est vrai que je parle crûment, c'est pas oui, bien. Oui, oui, je sais. Ah, faut cliquer dessus. Je tacle un peu gentiment, quoi. Oui, t'as bien raison. Qu'est-ce que tu veux? Oh, tu peux ouvrir le feu, hein, y a pas de souci avec moi. Alors, cher le sage, si tu lis ceci, cela veut dire que tu as un grand besoin de changement. La même chose m'est arrivée il y a fort longtemps. Je perdais de vue ce qui compte le plus dans une vie. Les liens réels avec la nature et avec les gens. Ah, c'est beau, j'aime bien cette philosophie. Alors j'ai tout abandonné pour m'installer ailleurs. Je te joins l'acte officiel de cet endroit, ma joie, ma fierté, la ferme de Bouzonville. Ah oui, j'ai appelé Bouzonville le lieu. Désolé, hein, j'ai pas été plus inspiré. Elle se situe à Stardew Valley, sur la côte sud. C'est l'endroit idéal pour commencer une nouvelle vie. C'était mon cadeau le plus précieux d'entre tous et il t'appartient désormais. Je sais que tu feras honneur à la famille, mon garçon, bonne chance, je t'aime, grand-père. Oh, c'est Mimi. Post-Christum. Si le vieux Lewis est toujours en vie, salue-le de ma part, tu veux bien. Ah, Lewis. Papalapapa, chargement en cours. Alors, Olive, tu dis j'espère que tu vas bien, Morbo, malgré les pépins pro de ce matin. Ah merde, des emmerdes professionnelles. Ah bah courage, hein, dur.
Enfin, là, de ce qu'il m'a montré, ça avait pas l'air très très méchant, mais c'est vraiment le truc très chiant, quoi. Ouais. Voilà. Envoyer une photo et tout, j'ai fait, mais c'est pas vrai, ils font chier, quoi. Je reste vague, hein, exprès, je veux pas qu'il y ait de Oui, bien sûr, bien problème. sûr, bien sûr. Oui, enfin, de l'administratif casse-bonbon, quoi. Très procédurier, je Non, non, présume. même pas. Non, Même même pas, pas pour là. c'est... Non, non, c'était autre chose. C'était autre Morbeau est chose. si beau que ça? Ah. Je l'ignorais. Non, bon courage, je taquine, mais bon courage. Ouais. Non, non, juste des débiles. Ok, dur. Mais attends, il est tellement génialissime que les gens sont jaloux et font de la Ah. merde, hein. C'est tout, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. En plus, c'est Excellent. véridique. Ouais. Quelque part, hein. Eh ben. Bref. Alors, j'ai pris le bus. Il y a des jolis pétales de cerisier là. Salut, tu dois être le sage. C'est Robin. Oh. Je suis Robin, la charpentière du village. Touche du bois, c'est pour ta chance. Le maire Lewis. Ah, c'est le maire. Ok. Ah ben, génial, le grand-père. Il avait des bons contacts. Le maire Lewis m'a envoyé te chercher. Il veut que je te montre le chemin qui t'amène à ta nouvelle maison. Il est déjà là-bas en train de tout mettre en ordre pour ton arrivée. Quoi? La ferme est juste ici, si tu veux bien venir avec moi. Zivago. Oui, la poésie des pétales de rose. Enfin, non, vu la taille des pétales et des personnages, c'est plutôt des pétales de... Comment on appelle ça? De Magnolia. Voici la ferme Bah, Bouzonville. c'est gros. Il a soif, mon perso, mais j'aime bien l'étrange de la petite ferme. Qu'est-ce qui va Ferme pas? Bouzonville. Bon, d'accord, c'est un peu envahi par les Mais mauvaises herbes. C'est un ouais. bon sol fertile en dessous de ça. Oui? Excuse-moi, c'est bizarre quand même que t'aies commencé le jeu sans appuyer sur Sur quoi? sur coop en fait. Bizarre. Peut-être que c'est Mais si! normal, je sais pas. J'ai cliqué coop avant même de te joindre sur audio Discord. Ouais, mais non, non. Ah bon? Non, non, ouais, tu vois. Je percutais pas sur le coup, mais en fait, non, il faut le faire après, en fait, parce que bah, faut que je sois là, en fait, faut que je sois présente. Ah. Parce que je... Après, alors, est-ce que... Attends. C'est peut-être après que je peux peaufiner ma coop. Après l'intro? Ouais, après l'intro, ouais. Ça me semble logique, hein, en informatique, ça. Ah ouais, vaut mieux, ouais. Alors, je finis Ouais, l'intro désolé, et puis, hein. ouais, on essaye de se Après, c'est rejoindre. sur PC, je sais pas trop comment ça se passe, mais la coop que j'ai faite avec Morbo, c'était sur la Switch. Alors, Morbo dit, il faut que tu crées un serveur. Mais justement, j'ai démarré ma partie en créant un serveur de coop. Oui, Et voilà, oui. le premier signal que vous avez vu, c'était la config après la création du serveur. Donc normalement, je pense qu'on se rejoindra après l'intro. D'accord, après, ouais. Ouais, je suis désolée, hein, j'ai le cerveau en compote, hein. Ne t'en fais pas, Tout sois pas le désolé, relax. Non, ton temps. observation était fort intéressante. Avec un peu de travail, nous dit Robin, j'ai envie de l'appeler Bobine, je sais pas pourquoi. Tu auras tout Bobine. nettoyé en un rien de temps, me dit-elle. Oh, elle est toute sourire. J'aime bien le style graphique. Nous y voilà, ta nouvelle maison. Oh! C'est qui ce mec? Ah bah c'est le maire, Lewis. Le nouveau fermier. Tant quoi, Bienvenue, Miguel? je suis Lewis, maire de Pelicanville. Tout le monde a demandé après vous. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un de nouveau s'installe au village. C'est un gros événement pour nous. Alors, vous emménagez dans le vieux chalet de votre grand-père? C'est une bonne maison, très rustique. Je vais lui faire un petit accent canadien, ça va être marrant. Rustique, Pauvre c'est une façon Canadien. de voir les choses, nous dit Robin. Vieille serait un mot un peu plus approprié. C'est très impoli de dire ça. L'autre qui sort de ses gonds. Ne l'écoutez pas, le sage. Elle essaye juste de vous faire pousser à acheter l'une de ses améliorations résidentielles. L'autre, elle est piquée au vif. Elles sont cool ces améliorations. Je comprends Ah, qu'elle la essaye, ferme est hein. devenue un manoir, si je devine dans ton propos, dans ta partie. Toutes ces extensions.
T'as racheté même les propriétés des voisins. Qu'il en soit, vous devez être fatigué après un si long voyage, vous devriez aller vous reposer. Demain, vous devriez aller un peu au village et faire connaissance avec le reste de la communauté. Les gens du village apprécieront beaucoup de vous rencontrer. Alors que tu pêches un barbeau fluviatile dans mon chat, bien joué. Yes. Oh, j'ai failli oublier. Si vous avez quelque chose à vendre, mettez-le dans cette boîte. Je viendrai le chercher pendant la nuit. Oula, il bosse même la nuit de mer, bah dis donc. Bon bah, et bien bonne chance. Il fait poste de nuit le mec, à la fraîche, histoire de pas être trop en PLS. C'est un livreur Amazon, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je le comprends de nuit, hein. On ferait pareil de nos jours si on pouvait, pour ceux qui bossent dans ce métier. Ouais. Faire la livraison que la nuit, parce que le jour. Votre progression a été sauvegardée. Ah, il y a bien des touches à configurer. Allez, non, je veux pas dormir, bouge ton bol. Je ne fais que me secouer dans mon lit, là. Au secours, je suis prisonnier de mon lit. Ah oui, non, attends, j'espère que je peux changer la configuration des touches, là. Oui, manette, option. Attendez, attendez, courir par défaut, non, ça ne me plaît pas. J'aime être posé. Ah, ouais, parce que moi, de toute façon, je vais jouer sur... J'ai joué avec ma manette, donc là, je peux pas trop t'aider sur les, sur les commandes. Oui, mais j'en ai une. Attends. Moins de clavier, donc... Attends. Que je fasse pas le Nigo. Fais comme tu le chat. Je vais brancher ma manette. Attends, en espérant qu'il puisse le jeu me le détecter à chaud. Minute papillon, excusez-moi. Oui, pas de soucis, Pour le direct. Après, mais... bah, c'est comme tu m'as dit tout à l'heure. Hein, prends ton temps, fais tes réglages. Ouais. Il y a aucun problème. J'avais pas qu'il y avait manette dispo. Ça me plaît, effectivement. Ce qu'il y a, Milette, t'attends quoi? T'as eu assez de croquettes comme ça, là. J'ai une Minette qui attend à la porte en mode non, mais donne-moi des croquettes, là, ça rigole plus. Là. Hop là, mode gamepad. Maintenir, relâcher. Ah, lance-pierre, ok. Mettre en jeu. Fabrique avancé. Multijoueur, ami uniquement. Non, je vais mettre invité uniquement. Il va falloir que je t'invite. Accepter connexion IP autorisée, création de nouveau personnage. Hôte de partie uniquement. Blablabla. Inviter un ami. Ah, afficher un code. Si je te donne un code d'invitation, ça t'aide? Alors attends, excuse-moi, j'étais en train d'écrire un message parce que. Vas-y, je t'en prie. Bonjour Sol. Et coucou Sol. Et alors attends, pardon. Je. A plus, Morbon. Bon courage pour la suite. Mais effectivement, je viens de Ouais, franchement, ouais. Alors attends, merde, tu me demandais quoi ah oui, voilà, ouais. Alors... Code d'invitation. Je sais plus comment qu'on fait, normalement c'est... alors là, moi, il y a marqué rejoindre le jeu en LAN, en LAN, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, LAN, c'est local, le problème, non, toi, tu veux aller sur Internet. Oui, non, ouais, d'accord. Okay, alors, j'ai invité un ami. Ah, code d'invitation, ouais, je crois qu'il me semble que c'est simple. Ok, t'es sur PC, on est d'accord. Oh ouais, moi je suis sur PC. Hein. D'accord. Alors, activer oui. Le code d'invitation. Alors, tu le vois sur mon écran, merde. Bon, j'aurais peut-être dû le zapper. Alors, est-ce que je peux copier-coller? Non, même pas. Alors, attends, je vais essayer de te le donner. Je sens qu'il y a des loustiques qui vont s'amuser à reprendre mon code d'invitation et puis qui vont s'amuser à me joindre dans ma partie bien malgré moi. Alors si je dis pas de bêtises, normalement le code est là. Je le balance même dans notre chat, le mec il est fou. Ouais, si t'étais sur PC, t'aurais pu masquer l'écran le temps de... Bah je le balance même sur mon chat, donc je suis un peu un idiot. Je fais tout ce qu'il faut pas faire. Ah mon dieu. Ouais, tu pouvais le masquer ou puis enfin tu sais. Bah, ou alors ce que je te propose. Ce que je te propose. Mais il faut qu'on se retrouve en ami sous Steam. T'es pas super enthousiaste, bon j'ai compris. Oui, non, si, c'est pas ça. Si, ouais. Attends, on va y arriver. Hein. Oui, comme tu le sens. Après, tu veux que je rentre le code, moi, d'invitation ou pas?
Bah oui, Ah je préférais que ce soit toi et pas une autre personne. non. Ouais. Bonjour Arachni. Oh putain, je peux même pas faire copier-coller non plus. Ah oh, oui, bah sinon je te dis F8 JS. Attends. Ah merde. J'y étais plus. Voilà, merci. Alors, attends. Alors... F8 Voilà. JS Suite. Ouais. 16 Quoi, c'est que t'es... E Oh là, mais putain, j'ai rien compris. JG Attends. Ah, 16! Putain, j'entends que dalle! Ok, alors Alors, attends. Je vais faire de F8 mon côté. JS Attends, 16. attends. Voilà. Faites vos jeux, consonnes. Oh le bordel. Désolée. Attends. Non, mais c'est pas grave. Que je remette mon cerveau en place. Alors, ouais. Ok. Ok. Toi, connaître l'alphabet. Oh putain, mais j'ai du mal, hein, c'est terrible. Oh Connexion mon en Dieu. cours. Ah. J'espère que ma connexion ne va pas foirer. Ce serait bien. Mais non, mais non. Mais on parle pas de malheur. Mais c'est ça ce Goodman, mort de rire. Non, mais on est déjà parti alors que le jeu est à peine démarré. Ça sent bon, à Ouais, mon non, avis, mais. là on va s'en apoir. Bon. Toujours en cours, hein, ça prend son temps, c'est génial. Ouais, oui. Oh. Oh, putain. J'en ai tellement marre. Papa la papa. Papa la papa. Et ça, c'est l'inventaire. Alors Ah, attends. échec de connexion, bah ça me surprend pas. Ah, trop bien la manette! Je peux déjà bouger comme un fou et faire mon jogging dans ma baraque. Ah là là. Ouais, bon, attends, on va se rejoindre sur Steam, mais alors faut que Ouais? je, faut que je, Ok. faut que je. Il est où le Steam? Il est là. Alors, moi, il va falloir que pudiquement je mette ma vue caméra. Vous avez gagné le droit, évidemment, un peu de discrétion pour le coup, là. J'ai envie de dire Steam, ça Moi je rigole suis plus. connectée sur Steam, donc je sais pas, Alors, je je vais sais te plus comment qu'on donner fait. mon pseudo discrètement en message D'accord. privé Ok. Discord. Minute Ok. papillon. Voilà. Je sais plus si tu te souviens, moi, quand je suis tout jeune fringant à 20 ans avec les cheveux rouges. Oui, j'en souviens ça. Ah, Très je ne bien. peux pas Et ben, oublier. c'est ma photo de profil. Ok. Et normalement, avec ça, tu devrais me retrouver. Ok. Alors, attends. Normalement. Tac. Je vais mettre mon Steam en plein écran de Ah, mon je côté. copie. Alors, mince, où c'est que je vais? Contact. Ah oui, merde, je me suis pas mis en ligne. Quel idiot je fais. Donc, normalement, dans Steam, tu vas dans Contact, ajouter un contact. Attends, c'est... Ah, voilà, c'est là. Contact, ajouter un contact. Et tu saisis ce que je Hop. t'ai donné comme pseudo, qui n'est pas le sage de Nancy. Voilà. Je gouaque ceux qui me regardent. Alors, d'accord, il me demande un code de contact. Non, mais ils sont pas chiants des fois, c'est. Oui. Je me demande bien que ça va être long. C'est tellement long, je suis désolée, vraiment. Non, mais relax. Oh, t'en fais pas. Ah là là. La bonne humeur est là. Attends, moi je me fends déjà la poire. Rien que ta première Non, difficulté. attends, c'est pas ça. Merde, Crudy. J'avais dit dans Steam, tu vas dans Mais comment Contact que je tout en fais? haut. Tu fais ajouter un contact. C'est ce que j'ai fait? Oui. Et Ah, il faut que je attends. te donne mon Que code moi on me demande. contact. Ouais. Ah ouais, voilà. Et ouais. Ok, c'est à moi Et de faire la ouais, manip, parce que pardon. là j'étais en train de copier en fait, de recopier mon propre code de contact, ce qui n'a aucun sens. Effectivement. Et... Sauf si t'as un Attends. problème. Non, mais. D'ego. Enfin, non, c'est pas Après, j'aime d'ego, bien me c'est parler à de. moi-même, hein, mais quand C'est même, ça. au bout d'un moment, Le c'est moi et assez même de limite. fun fan, c'est ça, c'est le concept. Voilà. Envoyer une invitation impeccable. Ah, nickel! Ça y est, je t'ai vu en. Maintenant, faut que je te valide de mon côté. Alors, à mon tour de comprendre le comment du pourquoi. Qu'est-ce qu'on s'amuse bien?
Ah, il est sympa ce jeu, hein. Ah, ça se passe bien cette coop, hein. Je sais pas toi, mais. Ça va venir. Minute papillon. Les plus belles choses ne se sont pas faites en un jour. Faut philosopher dans ces moments-là. J'adore les gifs animés de Saul. Vos contacts. Pourquoi je te vois pas en demande? Ah. Ah, invitation en attente. Voilà. Ah, ma chère Olive, ça y est. Nickel. Tu vas me voir avec ma tronche. Les cheveux rouges. Voilà. Ah, bah c'est merveilleux. Alors là, normalement, pudiquement, je peux rebasculer en 16/9 sur le jeu. Ce qui va faire la joie des spectateurs. Bonjour Dragon Sky. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Bonjour Dragon. Mon chat, attendez, faut que je vous regarde. Voilà, il faudrait surtout pas que je vous mette devant, je m'en voudrais. Alors, oula, collection. Ah, attends, je découvre artisanat. Oh, la carte, elle est trop mimi. Merde, comment je fais pour... Attendez, social, tu m'étonnes. Compétences. Inventaire. Non, ça doit être dans les options. Dans les options. C'est le menu, je crois. Voilà, inviter un ami. Invité. Voilà, tu reçois mon invitation. Alors, attends. Hop. J'ai accepté l'invitation à jouer. Je sais pas comment que ça se passe. Ah si, c'est bon, il y a marqué connexion en cours. J'espère que ça va le faire parce que... Ah, pas d'emplacement libre sur le serveur. Ah. Quoi? Bah, c'est débile. Ah. Quelle est la condition pour que je puisse t'accueillir sur mon serveur? C'est dingue, hein. Bah, c'est bizarre. Je vais réessayer avec le code que tu m'as envoyé. Hein. Ah bien. Non, je pense pas. Non, je pense pas que ça fonctionne, mais bon. Attends, je te réinvite. Je te refais une invitation, Steam. D'accord, attends. Hop, je suis sur retour. Alors, je suis bête quand je dis ça, quand je fais la manip, forcément, vous voyez à l'écran. Mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Hop, attends, ce que je vais faire, tac, voilà. Que j'avais déjà ma page de jeu ouverte, donc est-ce que c'était pas ça qui... voilà, ça se réouvre tranquillement. Oh, bah, on va tout essayer, hein. Mais oui. Voilà. La configuration chargée manette avec contrôle caméra. Ouais. Et mon perso a une autre manière de faire la poussière. Alors, invitez qui vous voulez avec un lien depuis. Donc ouais, c'est... je pense que ça a été pris en compte, à mon avis, j'espère. Connexion en cours. Ah bah non, ça me dit quand même pas d'emplacement libre sur le serveur. Ouais. T'as déjà réussi à faire une multi à Stardew Valley ou pas? Ah ouais, mais sur la Switch. J'aime bien, je vais aller faire exploser sur PC, ferme, en fait. Seul. C'était pas sur PC, c'était sur la Switch, donc là, je sais pas. Alors, c'est bizarre. C'est bizarre. Attends, je retourne dans les options multijoueurs. Mode de serveur. Bah, ami uniquement. Je vais rebasculer en ami uniquement. Accepter connexion IP. Tout le monde, mode de déplacement de construction. Tac, 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 tac. Démarrer une partie en coop locale. Mais non, si je dis local, je vais être... pas d'emplacement libre sur le serveur. Pourquoi? Ouais, c'est bizarre. Putain, je donne des coups de hache accidentellement dans ma baraque. Faut que j'arrête. Le mec, il est fou, il clique partout, il défonce la baraque alors qu'il a pas commencé. Ah, je vois l'inventaire, je soupçonne que je peux me dézapper et me foutre à poil. C'est rigolo. J'entends des drôles de bruits chez moi. Là. T'as mis le doigt dessus, Dragon Sky. Oui, on avait compris que c'était animal. Ah ouais. Voilà. J'ai juste de voir, ouais. Alors,
Attends, je lis un peu le son ça graphique. Ça va rester ça, anacrosique. Pardon. Mode de serveur, ami uniquement. Tac, tac, tac. Voilà, on va pêcher un poisson pour moi. Ou alors il faut peut-être que je sorte. Pas d'emplacement là. Ah punaise, j'ai pété la ligne. Voilà, c'est moi qui ai cassé la ligne, la connexion internet. Hein, voilà. Mais non, mais non, mais non. Non, c'est bizarre. Oui, c'est vrai que les autocorrections posent problème par moment. Oui, ça peut être chiant, je comprends parfaitement. Attendez. Comment ça, pas d'emplacement libre sur le serveur? Je comprends pas là. Excusez-moi, non mais j'ai envie de regarder rapidement sur internet le pas d'emplacement libre sur le serveur, à quoi ça correspond? Oui. Attendez, excusez-moi du moment de flottement, mais. Putain, je vais ouvrir mon navigateur, chose que je n'avais pas faite. Stardew Valley Multi, pas d'emplacement sur le serveur, là il faut m'expliquer. Stardew Valley. PC. On va dire LAN. Pas emplacement serveur. Alors là, faut m'expliquer. Multijoueur de Stardew Valley Wiki. Voilà, je vous dis beau, ce que je suis en train de découvrir, de lire. Attendez, je suis un peu bigleux, je vais mettre 125%, mon écran est lointain. Alors, le multijoueur est un mode optionnel dans lequel 1 à 4 joueurs peuvent rejoindre le même monde via un écran partagé, réseau local ou adresse IP. Le multijoueur est disponible en version PC, en console, mais pas sur mobile. On est sur PC, ça passe. Le joueur qui a créé le monde hôte et les autres joueurs sont des fermiers. L'hôte a le fichier de sauvegarde sur son système et peut le lire en mode multijoueur et en mode solo. Si l'hôte n'est pas en ligne ou si la ferme n'est actuellement pas ouverte aux autres joueurs, le fermier ne peut pas accéder au monde, enfin les fermiers... invités ne peuvent pas accéder au monde, machin, tadadala. Donc c'est sous-entendu que la ferme n'est pas actuellement ouverte aux autres joueurs. Alors, commencer un nouveau monde multijoueur. Je lis bêtement. Depuis Quantic Coop, oui, ça s'est fait. Bien. Héberger une nouvelle ferme, c'est fait. Soyez sûr d'avoir ajouté une cabane pour chaque joueur qui rejoindra la ferme. En option, une marge bénéficiaire peut... Alors, comment je fais pour ajouter une cabane à chaque... Il faut que je la construise dans le jeu ou c'est une option dans le menu? Parce que s'il faut que je construise dans le jeu ta cabane, déjà, excuse-moi, mais je vais te faire des chiottes d'un mètre cube et tu ne me rejoindras pas avant une heure parce que le temps que je maîtrise à battre les arbres et empiler les bus... Non, mais enfin, nous, ça s'était fait automatiquement avec. Bah, là où ça coince, c'est le dernier à point. À moins que Morbo, lui, il avait fait. Il avait fabriqué une cabane pour moi à l'avance, ça, je sais pas. Parce que là, comme il est parti, il peut pas me répondre, mais. Alors, il parle de cabane et de cabine. Soyez. Et la cabine, voilà. Soyez sûr d'avoir ajouté une cabane pour chaque joueur qui rejoindra votre ferme. Et à la fin du chapitre, ils disent les cabines peuvent être construites ou démolies dans le jeu. Oui, enfin, cabane, c'est pareil, mais. Je pense que, ouais, mal. Ouais, non, ils insistent, j'adore. Peut-être que tu construises, hein. Oui, construire une cabane. Apparemment, tu pourras pas me rejoindre quand j'ai pas fait de cabane. Alors, sur. Ah, très intéressant, se connecter sur PC, que ce soit Linux, Mac ou Windows, là je suis sous Windows. Vous pouvez vous connecter aux autres joueurs à partir par 3 de trois manières différentes. J'arrive même plus à lire. Quand le jeu est lancé par Steam, c'est notre cas. Les fermes multijoueurs hébergées par vos amis Steam apparaîtront sur l'écran coop. Ah bah ouais. Ouais, nous ça devrait marcher comme ça. D'accord. Bon bah je vais essayer de construire une cabane, écoute. Je pense que tu vas déjà me guider par mon signal retour, comme tout le monde j'irai sur Twitch. Je vois que ça. Je vois que ça aussi, ouais, parce que... Alors, déjà, le jardin est dans un état... on dirait que la tempête 99 est passée, là. Oula. Comment je fais ?
Normalement une hache. Si je peux déjà couper du bois. Alors attends, j'apprends. Oui, j'ai du bois. Alors attends, déjà les gros rondins qui sont au sol, je me les collectionne avant d'abattre les vrais arbres, j'aimerais éviter. J'aurais déjà du bois de base pour te faire une case. Une case. Merdoum. Et puis ouais, de toute façon. Autant faire comme ça. Oh, je dis nénuphar. C'est quoi ce. Votre hache oh, génial, les mots de Jardiland, Saul, c'est génial. Oh, j'adore. La vache, oui. Ouah, ça va chercher loin. Jardiland, Jardiland. Eh, j'ai remonté un chabot. Yeah. Bonjour, cousin Rio. J'ai envie de dire, t'arrives au bon moment là, parce qu'on a pas mal galéré au niveau de la technique pour se rejoindre déjà en vocal, puis en jeu. Enfin, on n'y est pas encore en jeu, mais je crois qu'on a compris. Il faut que je fasse une cabane pour accueillir Olive dans ma partie. Donc je les blaye à mort et je récolte du bois. Oh, mélange de graines! Oh, c'est bon ça! Voilà, quel accueil de la part de le sage! Hein. Même pas une construit une cabane, rien! C'est vraiment le service déplorable! Déplorable. La parodie que j'avais déjà faite dans un autre jeu. Tu seras pas bienvenu chez moi. Voilà. Pas bienvenu chez moi. J'y ai déposé des mines, des pièges à loups, des cadenas. Pas bienvenu chez moi. Le mec antisocial. Pire que dans Trust. Non, mais je vais mettre une étoile sur les avis Google. Hein. Oui, c'est ça, TripAdvisor, ouais, c'est ça. Oh la vache, le terrain il est grand, punaise! Ouais, il est assez grand, hein. T'as de quoi faire. Oh la vache! Oh mon dieu! Et après, si tu veux, tu peux mettre des meumeux, des côtes-côtes, oh. Dada. Oh! Un lama aussi, je crois, si je raconte pas de bêtises, je sais plus. Ou une chèvre, je m'en rappelle plus. Enfin, il y a un truc comme ça. Bernard, le lama. Humour au niveau fan, pardon. Il aurait pu la faire. Hein. Le connaissant, c'est dans son registre. Oui. Ah. Alors, il me dit que j'ai 46 de bois. Oh, attends, j'ai une ruine. Je peux peut-être la retaper, là. J'ai une base en béton. La ruine, non, je crois pas. Non. Ah, merde. Moi, où j'en suis dans ma partie Switch, c'est la partie où j'ai le plus avancé, où j'ai le plus d'heures. Eh ben, je peux pas la rénover pour le moment. Je sais pas trop pourquoi. Parce que là, c'est pareil. Des fois, c'est très compliqué de comprendre comment tu peux construire tel ou tel truc, faire telle ou telle chose. Enfin, c'est vraiment. Bon. Attends, j'ai. Bon, faut deviner quoi. Ouais, non mais. Ah merde, j'ai une chauve-souris qui me patate la tronche. Non, je vois pas, comme si on décalait. Ah si, ouais, je la vois. Je suis en train de me battre à la hache. Mais genre, tu te fais agresser par des chauves-souris. Ouais, ça m'est jamais arrivé, ça. Ouais. Parce qu'après, tu t'es aventuré loin dans la forêt, je sais pas. Vous commencez à être épuisé. Ah merde, j'ai au beau chemin. Parce que si c'est pour mourir hors de chemin. Ah oui, faut que tu manges des trucs. Merde, ouais, ah oui, parce que voilà. Ne pas hésiter à. Ah, c'est quoi ce bordel? Te concocter des trucs, à manger des graines, enfin, ce que d'accord. Tu peux bouffer, parce que là tu vas, là clairement tu vas crever, en fait. Bah oui, j'ai l'impression. En gros, on va dire que tu vas t'éloigner, voilà. Le surmenage te rend faible. En gros, il y a quelqu'un qui va venir te chercher, te porter secours, te ramener chez toi, et, ouais. Bon, ben voilà, ça t'a coûté tant. Bisous. Ah. Donc là-dessus, au niveau de l'heure de coucher, de ton temps de repos, de ton énergie, de ta santé, tout ça, t'as vraiment intérêt à faire gaffe. Quoi. Surtout au début. Ah. Ah bah voilà. Voilà. Après, une fois que t'es familiarisé avec le truc, ça va, mais...
J'ai été assommé par une chauve-souris, merde! Alors, en parlant de Ah non chauve-souris, mais... anecdote Bah voilà, bah locale, trop tard. ça a fait l'objet d'un article dans mon journal. Il y a un mec qui s'est retrouvé Ah avec ouais. une centaine de chauves-souris, une centaine, une trentaine de chauves-souris dans sa, dans son appart. Oh d'accord. Ouais, l'horreur. Faites attention, vas-y doucement. Ah, je suis Je à sais pas l'hosto. comment c'est arrivé, mais ouais, les chauves-souris ont dû se dire, ah bah c'est bien, on est au frais, à l'ombre, impeccable, bon C'est on ça. s'installe. Hein. Alors, Harvey, quelqu'un t'a retrouvé inconscient et blessé. Ah J'ai voilà, dû oui. t'opérer d'urgence. Fais attention à toi, Ah, d'accord? l'opération Merde! directe, hein. C'est quoi ce délire? Comment j'ai fait? La X-Borg Bar, mais je m'en Ben... fous! Oula, il m'a lancé un truc. J'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas sur la manette. Fais attention à toi, d'accord? Mira. Attends, mais qu'est-ce qu'il m'a Ah oui, fait, le là, jeu? je... Oui. Pardon, je bois un coup. Voilà. Ah bah, j'ai fait pareil. Ah oui, j'ai la Pardon. douloureuse. Docteur Harvey m'a facturé 500 PO pour ma visite à l'hosto. Allez, t'as plus de Alors, objet perdu, valeur totale 0 PO. thunes. En plus, il faut de l'argent pour construire la cabane, donc là, t'es pas rendu. Attends, je comprends pas. J'ai un S qui est saignant. Je suis en train de porter mes graines au-dessus de ma tête. Le mec, il est Oui, fou. c'est ta santé qui est pas bonne là. Après, enfin, il dit qu'il t'a opéré, qu'il t'a retapé, il a rien fait du tout là en fait. Cet homme est un Je me escroc. Arrêtez-le. Je porte plainte. souvenais même plus que ça se passait comme ça la première fois que tu tombes dans les pommes. Je sais pas. Mais pourquoi j'ai les... Je peux pas avoir... Bon, quitte à avoir l'air dangereux, je peux pas avoir ma hache en main. Non, mais c'est J'avoue, vrai! je ne sais même pas comment qu'on fait. Mais pourquoi... Ah! Je viens de comprendre, la gâchette dans le menu. Comment je fais pour me barrer? Je m'en fous, je bousille ta porte, je veux me barrer, au secours. Bah, ça devrait pas être bloqué comme ça. Hein. Bah, je passe la nuit à l'hôpital. Mais alors C'est quoi attends, ce délire? comment? Alors, ah non, c'est qu'il est 22 h, faut que t'ailles pioncer en fait. Donc pionce dans l'hôpital, je vois que ça. Remorbeau. Alors attendez que je vous lise un peu. Alors ça envoie Morbo! du bois. Ah, bonne de Dragon Sky, bravo. C'est creepy, oh my god, les chauves-souris, c'est devenu un jeu d'horreur Ben c'est survie. bon, Ouais. hein. Par contre, ouais, en énergie, t'as plus d'énergie là, forcément. Est-ce qu'il n'y a pas Le un mec truc que il est tu pourrais fou! bouffer? J'ouvre le colis à la hache. Larme! Quoi, graines de panais? C'est des graines de poisson panais. Bah, le pané, c'est un légume. Ah, je Donc connais pas les il faut panais, que tu moi. cultives des panais pour avoir de l'argent après. Oh. Tu sais, tu les mets dans la caisse là qui est préchauffée, juste à côté de ta ferme. Et puis comme ça, après, ben, le lendemain, tu reçois de l'argent. C'est pour le début, c'est Voilà, pour les voilà. panais. Et Voici un petit quelque chose là pour vous aussi, dire de hein, marrant. c'est... Ouais. Là aussi, c'est pour la culture, c'est comme IRL, hein. T'as des légumes que tu peux cultiver. Enfin, t'as tant de légumes et de fruits pour chaque saison, hein, en fait. Hein. C'est-à-dire, si t'essayes de cultiver, je sais pas moi, bah, des panais en automne, ça va pas fonctionner. Alors, oh, c'est pas innocent, Linus, la signature. Je lis la lettre. Le sage, tu as de la chance que je sois tombé sur toi hier Ce n'est soir. pas mieux de la Tu avais dernière, perdu connaissance et pute. quelqu'un fouillait dans tes poches. Je sais pas combien ils t'ont pris, ils ont fui dès que je me suis rapproché, fais plus attention, Linus. Alors Linus, ça me fait penser à Linus Torvald, qui est le créateur du système d'exploitation Linux. Oui, Linux, ouais. Ouais. C'est pour ça que je suis pas insensible au... Oh putain, une deuxième lettre, pardon, excusez-moi. Coucou, je viens de rentrer d'une excursion de pêche, tu devrais venir à la plage un de ces jours. J'ai quelque chose pour toi, Willy. Enfin, signé Willy, ça y est. Alors, je la fais comment la cabane là? C'est pas comme si j'avais 59 bûches. Comment construire une cabane, au secours? Parce que question con, Morbo, toi il a fallu que tu me fabriques une cabane quand on a fait la coop sur la Switch ou pas? Le fric, c'est chèque. Fric. Attends, j'ai quoi là? Là, j'ai la limite du. C'est quoi ça? Oh mon dieu, je suis plus chez moi. Parce que sinon, la cabane, je la fais juste à côté.
Attends, je vais déblayer un peu. Oh, de la fibre. Pas optique, mais de la fibre. Alors non, quand tu crées ton serveur, tu choisis combien il y a de logements sur la ferme. Ah, j'aurais peut-être merdé en fait. Alors on va peut-être recommencer. Ah, d'accord, ok. D'accord, bon, on va y arriver. Merci à toi, Morbo. Oui, merci, Morbo. Ouais, ouais. Attends, je vais recommencer. On galère comme des tarés depuis tout à l'heure, quoi. Alors, attendez. Merci à toi. Ouais, merci tout plein. Retour vers le menu principal, on va la refaire. Donc, on va en profiter pour aller refaire pipi. Hop. Héberger. J'héberge une nouvelle ferme. Alors, non, moi, je reprends le sage. Hein, moi, ça me va bien. Mince, du coup j'arrive même plus à saisir le truc. Nom de la ferme, j'avais dit Bousonville, on s'en moque. Chose préférée, j'avais dit des framboises. Le chat, je le voulais gris. Oui, j'étais blanc comme neige, moi. J'essayais de faire quelque chose qui me ressemblait un peu en vrai. Cheveux, j'en ai quasiment plus. Il est où le dégarni? Voilà, très bien. T-shirt, peut-être le changer. Allez, je vais me mettre en orange. Accessoires, les lunettes. Voilà, très bien. Oui, là, on va passer l'intro parce qu'on l'a déjà vu. Cabane de départ. Ah, à proximité. Écoute, je vais en mettre 3. Et puis, s'il y a quelqu'un qui voudra nous rejoindre plus tard, je dis pas non. Normal. Partage des fonds, partagé. Allez, hop. Ça m'a l'air d'être bon. Peut-être là où j'ai merdé tout à l'heure. J'ai peut-être dit 0 comme un idiot. Alors attends, je vais faire mieux qu'un code invitation. C'est-à-dire que je vais... Re. Attends, je devrais te faire une invitation Steam. C'est mieux. Tac, tac. Voilà, là, ça devrait être bon. Que à la rigueur, je sais pas toi si t'es open, mais si un jour Morbo a envie de nous rejoindre... Ah bah oui. Ah, ça Morbo serait cool. Franchement, ça serait très très cool. Eh bah oui. Ah oui, Morbo, alors, oui. Ah, je vais faire entièrement alors, confiance. Alors, hop, alors attends, je vais... Ok, je vais... prendre 2-0. 2-0. Voilà, c'est bon. J'ai accepté l'invite. Le grain de panier. Le 15 grain de panier. Quelque chose pour vous aider à démarrer. Signé le maire Lewis. C'est quoi? Ah, hey, c'est sympa, Lewis. Ouais, je suis assis. Je vais regarder la téloche. Oh, j'ai le choix de la chaîne. Bulletin météo, diseuse de bonne aventure et vivre à la ferme. Oh mon dieu. Bulletin météo, je veux bien. Alors, vous regardez Cause 5, une émission météorologique d'information et de divertissement. Alors. Demain, il fera beau. Journée ensoleillée. Génial, merci. Et là, la plante me parle. Ok, alors. Là, moi, j'ai 3 trucs qui apparaissent en fait. Là. Dis-moi tout. J'ai Il écrit... c'est écrit tout la même chose, sauf qu'il y a 1, 2, 3, en fait. Enfin, il y a 3... Eh ben, c'est 3 emplacements pour les invités. Prends l'emplacement qui te plaît. Ok, ben, je vais prendre le 3. Hein. J'étais un peu perdu. Hein. Je voulais pas cliquer sur n'importe quoi. Génial, t'as rejoint la partie. Ok, alors attends, faut que je crée mon perso, en fait. Hein. Merci Morbo pour les indications. Génial, t'es un chef. Merci à toi, hein, vraiment. Hein. Parce que là, on galérait comme deux boomers, là. alors, attendez, hein, désolé, je vais essayer de faire vite. Hop. Non, ça me paraît bien, voilà. Cheveux. Cheveux dans le vin. Hop. Ça sort pas trop mal. Oui, il est 15h, tu vois. C'est un rendez-vous dans une heure et ça y est, on joue en coop. Bon, c'est bien, c'est correct le temps de configurer un truc. Faut bien prendre le temps d'apprendre. Youhou! Voilà, comme ça c'est très bien. Ensuite, voilà. Ce désherbage en règle. Voilà. Petit arbus, je le défonce. Ouais, bah voilà. Je vais peut-être laisser l'arbuste là, on verra.
Alors, à un moment, je vais peut-être utiliser la pioche pour péter les rochers. Hop, voilà. Derrière les rochers. Oh, même les fleurs, elles dansent au vent. C'est beau, c'est plein de poésie. Chose préférée. Parce qu'il faut... Ah, faut que je mette la chose préférée. Alors, je vais mettre la bière, hein. Écoutez, voilà. Hein. Pourtant, je bois pas tant que ça. Je bois très très peu. Dragon Sky, c'est ça. On peut, t'as le choix de, tu peux soit être égoïste et tout garder pour toi de manière individuelle, soit partager les ressources. Et là, j'ai fait le choix de partager les ressources avec mes autres co-joueurs. Yep, il y a des coffres accessibles à tous, dit Morbeau. Ah. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Allez. Hop. C'est bon. C'est moi que v'là. Yeah. Non. Désolé, faut que je me, je vais y arriver, que je me familiarise avec le, avec les commandes de ma manette PS4 parce que c'est différent de la Switch, forcément. Ouais, voilà, j'ai droit à du panais aussi. Oui. Ça pète tube. J'ai pris un t-shirt pourri, mes fringues sont vraiment nul à chier. Pourquoi bizarre cette disposition. T'es où le sage, t'es où? Ça c'est quoi? Bon, je cherche bac à ordures. Partout. Oh coucou. Stylé. Hey. Oula, j'ai l'air violent là, dès que je te balance un caillou. Tu veux une salutation à la Donkey Kong? J'ai une quéquette qui s'affiche. Planter, récolter un panier, bah c'est ce que je vais faire. Hein. Voilà. Oh et bonjour petit Erika. Petit, je me présente. Pardon, j'ai même pas vu Erika débarquer sur le serveur. Bonjour Erika, j'espère que tu vas bien. Parce que du coup, Erika qui fait que les émoticônes. On va faire ça devant, hein. Je vois instinctivement que le texte, donc du coup, les émoticônes, j'ai pas réagi. Pardon, bonjour Erika, excuse-moi. Morbo qui dit: pour les plantes, utilise la faux, ça te coûte pas d'énergie, contrairement à la pioche ou à la hache. Ah! De la subtilité de faire usage du bon outil. Merci. Oh la vache, ça va chercher loin. Eh oui, je peux être en PLS de ma journée, moi. Ben oui, ça, c'est plein de bon sens. Voilà, désolé, je suis en train de... faire du mieux que je peux avec la manette. Ah, on voit le joueur qui a de l'expérience dans le jeu, là. Merci. Effectivement, la subtilité est d'importance. Ah ouais, vraiment, merci de ton aide, Morbo, parce que là, pour le coup, on rame, mais comme des... comme des cons. Comme des shackles. Bah moi je plante des légumes, hein, écoute. Hein. Bah moi je dératisse, je désherbe, je décailloute. Dès que j'aurai une canne à pêche, parce qu'on va m'en donner une après, ah, je vais pêcher plein de poissons et puis je ramènerai plein de thunes. Tac. Yeah. Ah, puis le plat portugais, là j'aime bien, à base de pommes de terre, de morue. Je retiens jamais le nom, mais c'est le plat traditionnel portugais, je l'adore. Ah, j'ai pas le nom en tête. Je retiens jamais, mais... Oh, bonjour Cadet Anthony, j'espère que tu vas bien. Oh là, oui, en plus, t'es à une heure de ta prise d'antenne. C'est gentil de venir passer. Enfin, j'espère que vous allez bien, évidemment. J'ai une pensée pour ta douce amande également, bien évidemment. Oui, des gros poutous à elle. Bah oui. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup. J'ai été agréablement surpris par l'arrivée d'Erika et de Cadet Anthony, entre autres. Coucou Erika, pardon, j'en oublie les salutations d'usage... Morbo, 40 balles de l'heure, prix préférentiel. Attends. J'ai pas le. J'ai qu'un seul écran, j'ai pas le. 40 balles de l'heure, prix. Oui. Oh purée. Ah ouais, effectivement, je t'ai cultivé. Je vais agrandir un peu mon écran de. Attends, comment ma fenêtre de jeu là, parce que c'est pas ouf ici. Non. Ah. Là, voilà, je pense que je vais faire comme ça. Pas trop grand non plus. Voilà, comme ça j'ai le chat. Nickel. Alors, moi aussi je suis mon petit opérateur. Alors. Ah, de l'argile. Voilà. Bien. Oula, je vais te vite épuiser. Tu veux pas me taguer Oh, c'est bizarre. Mais c'est pas grave, j'ai vu tes salutations, Anto. Alors, ça. Ah merde! Attends, ça c'est quoi ça? Merde, j'ai pas l'indication de ce que j'ai en main. Ça, non, ça se cultive pas, ça apparemment c'est un caillou.
Ça, c'est les trucs mûches. Ah oui, d'accord. Et au pire, après, tu peux te servir de d'une partie de ma partie, non, c'est pas trop. Ah, au pire, je peux me servir de... Oui, pardon, je dis au pire, si après t'as plus de place, enfin je veux dire, tu te sers de ma parcelle. Hein. Ah oui, merci, oui, bah réciproquement, oui, qu'il n'y ait pas de gâchis. Il peut te taguer peut-être parce qu'il ne peut pas te voir en peinture. Oh, probablement, je ne sais pas, hein. Je sais pas ce qu'on pense en tout. Alors attendez, c'est... Fille, bon, je sais pas ce que j'en fais. Comment que je fasse. Ah voilà. Pour l'instant, je peux pas forcément. Ah, je ne peux pas construire de coffre. Je ne rose, je suis un ego. Je suis en train de non. marcher sur. Vous commencez à être épuisé. Faut que j'aille au lit. T'as pas mal. T'as pas mal bossé, non? Bah oui, oui, oui. Je mérite le repos du guerrier. Effectivement, c'est la fin de journée dans le jeu. Comment ça, une croix? Le surmenage vous rend faible. Mais je suis un fragile. Allez, ah oui, il y a Morbo. Il y a Morbo qui te dit le point d'exclamation qui vibre signifie que tu as une quête terminée. Tu peux aller dessus pour la valider et récupérer le pognon. Ah. Voilà. Ouais, c'est comme ça que tu valides. Comment bien démarrer? Si vous voulez vivre à la ferme, vous devez commencer avec de bonnes bases. Utilisez votre eau pour labourer le sol, puis utilisez un paquet de graines sur le sol dans un semer récolte. Arroser tous les jours pour que la récolte soit prête à accueillir. Planter et récolter un panais. Oui, c'est ce que j'ai fait là, instinctivement. Oui, c'est ça en fait. Le... Présentation. Ce serait une bonne chose de vous présenter en ville. Certaines personnes ont hâte de vous rencontrer. 2 personnes sur 28 ont été saluées. Ouais. C'est un jeu de politique déguisé. Bonjour, je vais me présenter en tant que maire à la prochaine élection. Procédure les 28. Bon appétit, Erika. Elle va déjeuner. Leur vendre un peu de fibres. Hein. Mercredi, j'ai du mal encore avec tes boutons là. Moi aussi, il faut que j'apprenne. Ah, je suis rentré chez moi. Alors, si je vais dans mon plumard, sachant qu'on est en multi, c'est parce quoi? Allez-vous dormir? Bah oui. Ah, génial. Bah. Ah, c'est cool, fais ce que tu veux, Olive. Moi, je peux faire la causette avec les autres plein écran. Ah, c'est pas pour me déplaire, tiens, comme format de jeu. Ah, je récupère de l'énergie quand même. Vous voyez, 23, 24, ça monte tout doucement. Non, je veux pas jeter, je veux le revendre. C'est cool. Et pendant cette phase-là, je peux vous faire la causette. Le temps que je me repose vraiment dans le jeu, je peux basculer d'un truc à l'autre. Ça, c'est vachement bien. Ça me plaît beaucoup. Alors, que je vous dise. Oui. Oui, oui, Morbo a raison, ouais. Alors, le piège avec cette quête, je lis Morbo, donc, le piège avec cette quête, c'est qu'il faut se présenter à tout le monde. Faut même dire bonjour aux... D'accord. Réhydrater le sage du sol, il a raison. Une eau que j'adore. Merci. Une eau qui vient de Franche-Comté. Bah voilà, hein. Là c'est vrai que j'avais pas peut-être. J'avais pas grand chose à faire quoi. Peut-être essayer de récolter encore des fibres pour les revendre. Ouais. Pas grand chose en thunes, mais bon. Petite on n'aura pas besoin. Une autre vie, oui. Saul. Petite annonce sur mon antenne en dehors du jeu là. Donc un grand merci à vous. J'ai bossé là cette semaine dans la coulisse sur pas mal de choses. J'ai pas le temps de tout faire. Par exemple la boutique, j'ai pas fini. Y a pas à nouveau les chapeaux ni les patounes. Il fait encore trop chaud. Rien qu'hier, j'ai encore fait un malaise en fin de journée par rapport à la chaleur. Donc ça reviendra plus tard quand il y aura des températures normales. En dehors de ça, il y a du nouveau. J'ai remarqué, et veuillez m'excuser, je me suis laissé surprendre ce matin, que je ne vous avais pas mis à jour dans ma boutique le fait de pouvoir télécharger mes compiles de clips. Il y avait juste le lien pour la toute première, la saison 0, c'est-à-dire l'année dernière, dans la phase bêta alpha. Mais alors qu'était déjà sorti, enfin je vous ai déjà publié la compile des 3 premiers mois de cette année... En fait, il n'y avait pas de lien pour que vous puissiez télécharger, alors que la plupart d'entre vous étaient en droit de revendiquer ça. Donc j'ai corrigé cette erreur, j'ai mis à jour ce matin la commande sur la boutique. Donc voilà, surtout ceux qui sont abonnés, n'hésitez pas à vous ruer dessus parce que je vous l'offre. Et vous aurez en plus la comment dire,
la toute dernière compile que j'ai terminée il n'y a pas 24 heures, que je vous diffuserai quand même lundi 15 août, lors de la pause déjeuner, qui dure 1 heure. Mais si vous êtes impatient, vous voulez vous rétuer, avoir déjà votre exemplaire, voilà, suivez les instructions dans la boutique, trouvez que c'est la B, la deuxième, la B de 2022, et vous pourrez la télécharger, avoir le lien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'il y a des nouvelles émoticônes. Un grand merci, mais pas seulement qu'à lui, mais à Saul, qui a... Ah, Olive d'or. Ça a provoqué la suite Voilà, du jeu. c'est bon. N'hésitez Ah, pas désolé. à... Je remets le jeu, attendez, au niveau du sien de vidéo. Hop là! Voilà, que vous puissiez voir. Oh, il y a des scores. Waouh. Mince, attendez. Je suis en train de... Voilà, de remettre mon... Ma config. Agriculture, cueillette, pêche, extraction minière, autre, 33. Total, 33. Ah oui, en buisson, j'ai 33 en Ouais, j'ai fibres végétales. pas. Ah ouais, j'ai revendu quelques fibres végétales, mais ça fait pas beaucoup. Hein. Ah, alors jour 2, printemps, année 1. Votre progression a été sauvegardée. Oui, j'aurais peut-être dû donner ce que j'avais en inventaire, moi. Parce que je l'ai gardé connement sur moi. Non, mais c'est pas grave, y a vraiment pas de souci. Comment je fais pour te Alors. donner mes trucs, moi d'ailleurs? Cool. Je viens de recevoir ma canne à pêche. Je vais pouvoir aller pêcher plein de poissons. Ah, oui, moi aussi, je regardais Ramener de la thunasse. Ah oui, je Cool. viens d'entrer d'une excursion de pêche. Tu devrais aller à la plage un de ces jours. J'ai quelque chose pour toi, signé Willy. Alors qu'il se passe quelque chose. Saul Goodman a Allez, je vais aller encore voir frappé. Willy. Hein. Bah, Ah, désolé, je c'est me très cache gentil chez pour Willy. Amande. Alors, je vais arroser d'abord. Ensuite, j'irai voir parce que sinon, ça va pas être encore ouvert. Merci, c'est Allez. adorable, gentleman que tu es, Saul. Merci tout plein. Bah, du coup, elle va faire mumuse avec mes émoticônes. Alors, Oh, c'est Amande, super. quand elle va voir ma tronche dans l'émoticône animé quand je me fends la poire, je pense qu'elle va bien rire aussi. Ah oui, merci, t'arroses tout généreusement. Alors, c'est bizarre, je te Alors, vois faire oula. l'action d'arroser, mais je vois pas la parcelle mouillée, alors que je le vois quand c'est moi qui le fais. Oui, ouais, c'est bizarre, ouais. Bon. Donc évidemment, sur mon antenne, le son du fou rire est associé à l'émoticône du mort de rire. Ah, l'émoticône de Mazette, Morbeau merci tout inclus. plein. Ah, c'est Avec Goldorak! cet abonnement offert, tu régales doublement. C'est-à-dire que ta Ouais, générosité fait que tu fais le tellement bien de stylé. quelqu'un, mais en plus, ta contribution paye la Allez, cagnotte du sage, tiens, on va faire un qui est tour au finalement village, hein, parce qu'on n'a commune. pas grand-chose Oui, à ce qui faire va permettre de depuis. financer le serveur Ensuite, toi, cette Minecraft, les boîte, jeux en comme commun, ça, etc. Merci t'allais tout pas plein. poter avec tout le monde, et puis moi, je vais récupérer ma canne à pêche. Oh, génial, une fleur, c'est Jonky, ça, je crois, ouais. Tu peux revendre les fleurs aussi que tu... Mais non, mais je veux pas arroser, oh. Non. M'énerve ça. Merde, là où? Le pire, c'est que Morbeau m'enseigne un truc et je suis pas fichu de retenir. Ah, mais il y a tellement de choses à retenir dans Stardew que au départ t'es complètement paumé quoi. Y a un truc. J'aime bien la musique Direction ambiance la plage. guinguette du village. Ah ouais, bah c'est ce que je Oh! vais faire là, je vais aller à la plage. Il vient de se trouver un truc. J'ai trouvé un truc rare. Vous avez trouvé une géode. Le forgeron local peut Ah bah l'ouvrir c'est pour cool vous. ça. Qui sait ce qu'elle Aussi, contient? soit tu peux les garder pour crafter des trucs, soit tu peux les revendre pour avoir un peu de thune. Ah. Ah, pardon, je t'ai coupé. Non, non, mais il n'y a pas de mal. Tu me coupes quand tu veux, il n'y a pas de souci. T'en fais pas pour si peu. Voilà. Oh, je vais sur le ponton avec Willy. Révalé. Vieux pêcheur. Mais je m'en fous partout quand je bois, c'est Hein? formidable. Pas grave. Il se lave. Oui, mon garçon. J'ai entendu dire qu'il y avait du sang neuf au village. Merci Sol qui offre un abonnement à C. Ben Watt que j'ai pas vu depuis un petit moment, je lui avais fait un coucou il y a 2-3 mois. C'est Benjamin le prof de maths qui est adorable. Mais j'ai vu un peu ses audiences dans les compteurs Twitch et il arrive à forger sa communauté, c'est cool. Je suis ravi pour lui. Mais c'est vrai que ça fait un bon bout de temps que je suis pas allé le voir. Morbon qui dit le coup de la géode, c'est comme un Kinder Surprise mais en plus dur à mâcher. Vu comme ça, oui. Voilà. Ah là là. Alors, je pense que tu t'es barré. Ah mince, j'ai encore le point d'exclamation, donc j'ai fait un Oui, je truc. suis allée chercher ma canne à pêche pour aller pêcher plein de poissons.
Direction voilà. La plage. Quelqu'un nommé Willy vous a invité à aller à la plage au sud du village. Apparemment, il vous a donné quelque chose. Il aurait donné quelque chose à vous donner. Mazette, merci tout plein. Avec cet abonnement offert, tu régales doublement. C'est-à-dire que ta générosité fait que tu fais le bonheur de quelqu'un. Mais en plus, ta contribution va aller dans la cagnotte du sage, qui est finalement commune. Puisque permet de financer le serveur Minecraft, des jeux en commun, etc. etc. Merci tout plein. Bisous. T'entends ton retour bisous, son bisous, via le Discord. Alors, la quête, c'est aller à la plage avant 17h au sud de la ville. Oh, il y a une belle blonde. Oh, près de ma blonde. Tiladidadidada. Oh, les bons oiseaux. Je préviens, hein, je suis parti pour pêcher tout le reste du... Oui, t'es peinard dans ton le coin. Le reste non, de la t'as journée, raison. Là. T'as raison. Oh, il y a une plaque d'égout trop bizarre au beau milieu de la cambrousse. Attends, c'est ça le sud, c'est en bas de l'écran, non? Attends, ah, il y a un peu... Oh, des meumeux, elles sont mimi. Forêt, Pélicanville. Non, c'est pas la forêt que je veux, c'est la plage. Ah, attends, je me suis fourvoyé déjà. Oh, ça a l'air d'être grand. C'est beau, hein, mais ça a l'air d'être grand. Si je commence à être hors sentier, ça va mal se finir. Ah, voilà. Ah. J'avais du mal à maîtriser. Ah, il y a de l'eau par ici, ça me plaît. Ah, oh, oui. En l'eau, t'es le beau gosse comme qui se la pète sur les quais. Quel? Ah, t'as gagné une sardine. Ouais. Eh, mon garçon. Mais c'est vrai que ça, oui, ça apparaît ce que tu... ce que tu récupères, en fait. Alors, Morbo, t'as une carte dans le menu, sinon. Ah, oui, la belle carte que j'avais vue avec je sais plus quelle touche de la manette. Exact. Merci, Morbo, la c'est la fameuse K-carte. Ah, non, une question de Cadeau Anthony. Ah, quand on joue en multi, chaque joueur continue sa propre progression. Point d'interrogation. Semble. Attends. Par contre, moi, je vais régler un pépin tout de suite. Voilà, je donne le statut VIP à Morbo. Il y a des trucs, c'est un peu en commun. Ouais. Et par rapport à sa propre partie, ouais, je sais pas. Je m'en mets des pinceaux dans ma tête, c'est terrible. J'essaie de me détendre après avoir passé un mois en mer. C'était un long voyage, j'ai vendu beaucoup de bons poissons, nous dit Willy. J'ai enfin assez économisé pour m'acheter ma nouvelle canne-pêche. Elle est en titane et en fibre de verre. J'ai plus de place dans mon inventaire. Elle est télescopique, 1 km. Tiens, je veux que tu prennes ma vieille canne à pêche. C'est important pour moi que l'art de la pêche reste en vie. Et puis peut-être que tu achèteras... Tu n'es pas obligé de faire le tuto avec le sage. Je comprends pas, le tuto. Quelque chose dans mon magasin de temps en temps. Ah, il a un magasin. Cool. Ah, un vieux lune mer qui tient un magasin, ça me plaît. Vous avez reçu la canne à pêche à un bambou. Da-di-da-di-da-da, bambou. Il y a de bons coins de pêche ici dans la vallée. Toutes sortes de poissons à attraper. Ah oh putain, ouais, faut que je fasse de la place dans mon inventaire, j'ai vraiment plus de place, c'est la merde. Ah oui, bah, je reviens. Qui est ouverte, non, je t'en prie. Ah oui, ma boutique est ouverte, passe donc me voir un de ces jours si tu as besoin de matos de pêche. J'achèterai aussi tous les poissons que tu attrapes. Cool, il est mis en boîte. Alors, c'est Willy Le Borne, nous dit Dragon Sky. J'ai récupéré une moule. Alors, Morbo dit, je sais pas, j'ai fait que des parties séparées en multi. Cadeau Anthony dit, alors, par exemple, Olive, t'es pas obligé de faire le tuto avec le sage, là, si? Saul Goodman, le tutoriel est justement, facile, je... Plutôt l'info. Je piche pas l'histoire du tuto, en fait. Lewis a surpris Olive en train de... J'ai pas le temps de lire. Oui, j'ai fouillé des poubelles. Mes réflexes, hein. Je fouille souvent les poubelles. Je suis dégueulasse. Parce que tu peux récupérer des trucs dans les poubelles des fois. Je suis une écologiste. Je recycle tout ce qui peut l'être. Alors attends, le sage doit rencontrer tout le monde, se présenter, etc. Toi dans ta partie Olive. Ah non, 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 on a une. Non, non. Ouais, je comprends mieux ta question, Anto. C'est que en fait on. Comment dire, bah notre partie on l'a fait c'est pas des parties séparées si tu veux
tout en, entre guillemets en même temps, en fait. C'est, je sais pas comment expliquer ça. Disons que voilà, lui, s'il doit rencontrer du monde, bah, je dois le faire aussi. Ah, je dis une sardine. Vas-y, voilou. Tant pis, je revends le bois, hein, j'ai pas le choix. C'est mon inventaire. Non, mon inventaire est bon. Ah, je suis dans la merde, mon inventaire est déjà plein, je peux même pas prendre un poisson. Oh, je fais un merde. Peu. Merde. Ah là. Je suis dans la merde. Oui, l'inventaire il est très limité et ça pour ça, faut que tu accumules de la thune tu pour pouvoir acheter un sac à dos après la boutique. Ouais. Et ben mon poisson, je vais le jeter. J'ai oublié son nom à ce type. J'ai jeté le poisson. J'avais plus de place. Merde. J'ai comment il s'appelle? Bon, écoute, la plage, c'est sympa. J'ai bouffé son nom. Oui. C'est chez Pierre, je sais plus. Pierre Martinet, il raconte que des salades. Elle était facile. Mais c'est quoi ce caillon sur la plage? On dirait que les surfeurs ont abandonné leur planche complètement pétée. Là. Elle est tard. Surtout des gros dégoûtants, oui. Alors, retrouve le chemin de la ferme. Merde, commence à faire nuit. Attendez, excusez-moi, je prends connaissance avec j'ai encore jusqu'à 23h. Ah bah attends, j'ai plein d'énergie, la journée est passée, j'ai rien fait. Oh, j'étais pas censé être en journée de repos là. Je crois que la limite c'est minuit, hein. Tu peux être couché à minuit. La permission. Au-delà, au-delà, t'es dans la merde en fait. Tu m'étonnes, je crois que je me suis planté, oui, c'est là où il y a les meumeux. Merde, c'est en haut qu'il fallait que je tourne. Mais quand tu t'arrives à choper un poisson, ça fait même le même bruit qu'une notification Discord en fait. T'as un portable. Moi, je sais que j'ai choisi ce son-là et ça fait le même bruit. Ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir une notification du Discord alors que c'est pas le cas. Voilà, c'est très con, c'est mais ça. Voilà, merci Morbeau. Ouais, c'est bien chez Pierre. Pierre Martinet, c'est salade. Ah, de retour à la house. In my house. Oui, donc t'avais arrosé dès le matin. Ok, t'avais anticipé. Non, c'est bon. Ouais, parce que sinon après il y a des chances que j'oublie et c'est pas cool. Ah, attends, je vais dépenser un peu de mon énergie avant de m'épuiser parce que autant pas perdre l'énergie et bosser un peu dans la ferme quoi. Je sais plus combien il coûte le sac à dos d'ailleurs, je crois que c'est 10 000 un truc comme ça. Oh putain, oui c'est pas offert, oh la vache. Ouais, mais après, voilà, si tu sais, tu revends des trucs... Ouais, tu rentabilises vite. Voilà, il y a moyen que ça aille relativement vite, quand même. Oui, donc, je refais officiellement l'invitation vers Morbeau. Oui, avec grand plaisir, je t'accueille quand tu sois dans le multi. Clair. Et puis... S'il veut, ouais, il nous rejoint, il n'y a pas de problème. Ouais. Hein. Serait trop cool. À moins que tu le guides plus tard, Olive, en privé, hors antenne, tu lui donneras voilà mes coordonnées de Steam qui me rejoignent. Ouais. Ou alors faut pas m'envoyer soucis. Un message privé quoi, quelle que soit la plateforme, ah, oui. Je répondrai dès que je serai dispo, y a pas de souci. Oui. Ah, il est 23h, je vois plus rien. Moi, je vais pas tarder à rentrer aussi, enfin, et me coucher. Magnifique modification d'emote. Ah oui, j'ai jamais essayé Sol. Trop la classe. C'est génial Sol. Ah c'était c'est trop bien. J'y avais même pas pensé. Et ça, ça ouais, ça rend vachement bien. De... Ça lui fait une tête en plus. Ah ouais, trop classe. Ah bah alors j'avais pas calibré pour, mais franchement je suis content. Je m'excuse, mais ça lui donne un petit côté Cartman quand il est devant ses jeux vidéo. À un moment donné, je sais plus quel épisode c'est, où bah forcément il prend du poids, il n'arrive même plus à bouger. Enfin, là, il est minuit. Faut vraiment que je me dépêche. Ah, mais ouais, le temps de pêcher mon dernier poisson et. Nierf. Et voilà quoi. Ne pas crever. Je répète, ne pas crever. Je crois que je n'aurai pas le temps de revendre mon poisson. Je le ferai demain, désolé. Alors, Morbeau dit j'ai dû rater un truc plus tôt, j'ai pas tout suivi. Non, c'est-à-dire que t'es le bienvenu en multijoueur dans notre partie, Morbeau. Parce que j'ai carrément foutu trois cabanes. C'est-à-dire qu'on peut jouer à 4, moi plus 3 invités.
Donc évidemment, si un jour tu souhaites nous rejoindre, Morbeau, t'es évidemment le bienvenu. C'est pour ça qu'on est si enthousiastes et enjoués, Olive et moi. C'est, si tu veux nous rejoindre, évidemment, la porte est grande ouverte. Et puis, soit Olive te passera mon pseudo pour que tu me retrouves sur Twitch, sur Steam, ou tu me contactes en privé et puis je te donne les coordonnées, il n'y a pas de souci, Morbo. Si tu le souhaites, bien évidemment. Alors, agriculture, que puis, cueillette. Ah, t'as fait de la cueillette, bien. 180. Ouais, pêche, ouais, ouais, t'as souvent des fleurs sur le chemin un peu partout et tu peux les cueillir et les revendre ou les garder juste comme ça pour apporter des trucs ou je sais pas quoi. Je sais plus ce qu'on peut faire avec les fleurs. Attends, là par contre. Les offrir aussi aux habitants du village. Ah. S'ils aiment les fleurs, s'ils aiment pas les fleurs, tant pis quoi. Saul qui dit c'est pas l'épisode Make Love Not Warcraft ou quelque chose peut-être, comme ça. Peut-être, je sais plus. Les élèves deviennent accro à Warcraft. Oui, il me semble que c'est celui-là, ouais, où ils deviennent accro et tout. Petite précision. Sage. Oui. Quand tu te lèves le matin, tu peux regarder la météo et. Et une autre catégorie, une autre chaîne en fait, mais je sais plus comment ça s'appelle. Bon, et ça te donne des petits tips en fait. Ah bah il pleut, pas besoin d'arroser, c'est trop cool. Oh, nickel énorme. Chrome. Alors attends, déjà. Alors, ça, hop, à revendre. Ah, c'est ça? C'est bon. C'est... Ouais, c'est ça. C'est cette boîte en bois qui permet de revendre le truc? Ouais, tu déposes tout là-dedans et puis il y a quelqu'un qui vient les récupérer et puis bah t'es payé le lendemain en fait. Ah. J'ai pas pu les déposer hier parce que bah il était très tard et que je me suis dit oula si je traîne trop pour rentrer je vais mourir. Je vais de là moi. Question. C'est pas grave. Est-ce que je peux être déjà en mesure de faire mon propre entrepôt avec mes caisses pour stocker mes trouvailles au lieu de les vendre? J'ai le droit ou pas? Oui, pour ça il faut que tu fabriques un coffre, mais je crois que t'as pas encore la possibilité de le faire, ou alors faut que tu... Attends, comment on fait ? Donc j'encontre quelqu'un qui va me former ? Ouais, non, on n'a pas encore la possibilité de le faire, ouais. On n'a pas encore la recette, entre guillemets, quoi. Pas le plan. Ah. Bon, bah, je vais vendre l'argile, mais parce que ça me donne je peux t'offrir le jeu, hein, Morbo. Hein. Ah, je savais pas qu'il l'avait pas sur PC. Oui, ou même moi, ouais, à l'occasion. Il me semble qu'il l'a pas, Faut faire à l'établi. C'est normalement la recette, ça, tu l'as ouais, dès le début. Ah, oh, des lunettes, quoi. Sérieuse. Attendez, je vais regarder. Oh, oui, alors, la recette, tu l'as dès le début. Bah, nous, on l'a pas. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Alors, artisanat. Non, je l'ai pas. Ah, si, j'ai la recette, mais j'ai pas les ressources. Il faut 50 bois pour faire un coffre. Merci, Morbo, t'es franchement un chef. Ah, oui, non, mais ouais, je pensais que je pouvais pas. Ok, alors attends, faut que je bûcheronne à mort et je vais faire mon coffre. Ah bah tiens. Ah ouais, je vais foutre le coffre en extérieur. Je vais me faire un entrepôt, ah, oui, alors oui. Là, je préviens. Pareil, si tu te retrouves avec une vingtaine de coffres quand t'avances dans la partie, c'est un truc de fou quoi. J'ai tendance à stocker beaucoup de choses. Hey, tu me regardes jouer dans Minecraft, le premier bâtiment que je fais, c'est un entrepôt. Hein, quand j'ai fini de faire mon chez moi, c'est logique quoi. Fait bien. Effectivement. Putain, le coffre qui s'ouvre tout seul quand tu passes à côté, on dirait un mimique. Pour ceux qui connaissent pas qu'est-ce qu'un mimique, en fait, j'ai découvert ça dans le jeu Terraria. C'est un coffre qui est vivant. Et en fait, c'est une punition pour curiosité et l'envie du vol. C'est-à-dire que le coffre vous mange. Vous mettez la tête dedans une fois que vous l'avez ouvert, pour voir ce qu'il y a au fond. Et en fait, c'est une créature qui vous dévore, le coffre. Et quand j'avais découvert ça dans... Ah, ouais. Oh là, désolé, pardon. Non, je t'en prie. Dans Terraria, j'avais non, flippé. Non, ça avait rien à voir. J'avais flippé. Ah, non, mais tu m'étonnes, un coffre qui veut manger, quoi. À une heure du... Toute heure entamée est une heure due. Le jeu coûte sur Steam 14 balles, nous dit Dragon Sky. Ouais, merci. Bah, ouais. Apparemment, pour un jeu qui est vachement bien, 14 balles, c'est vraiment un tarif très sympa, quoi. Ouais, c'est pas non plus... abusé, quoi.
Tous ceux qui m'en ont parlé avec enthousiasme, alors. Je vais que pêcher, quoi. Mais... Attends, 42, il m'en faut 50 des morceaux de bois. Ah. 47. 49. Du papier. Ah oui, 50, je vais pouvoir faire ma première caisse en bois. GG. C'est un bois. C'est qu'on n'avait pas assez de bois, je trouve. Oui, il fallait 50 morceaux de bois. Alors lui, il me les brise. Attends, je pète le... Oh là là, mais on peut passer nulle part. Voilà, les premiers jours, c'est ça, c'est tu déblais, tu déblais, tu déblais. Alors ma baraque est là. Où est-ce que je peux mettre mon... Là, il y a un chemin. Oh, je sens que je vais accumuler, comme tu dis, les... Là, si j'ai rien, je peux... Ah ouais, fous, mais ouais, tu peux. Hein. Là, le truc en pierre, je m'en fous. Oh, trop bien. Ah oui! C'est instinctif, c'est trop bien. Attends, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, ou alors je le mets là sur le côté, peut-être. Ah, je vais peut-être chier, je vais peut-être couper les buissons. Non. C'est vraiment un couper-couper, apparemment. Non, j'ai pas le droit. C'est immuable. Apparemment, c'est... Ou alors c'est une faux. Non, c'est immuable. Bon, c'est pas grave, je vais pas m'acharner. Cette plante a le droit d'exister. Oui, bah non, le truc en pierre trop bizarre. L'enfoncement est trop bizarre. Ah non, il veut pas. Il veut pas, donc il va se passer un truc. Je pense que c'est un truc prévu pour le futur. Merde, alors où est-ce que je déclare mon entrepôt, moi? Pff, là, il y a le chemin. Est-ce que je le condamne? Je pourrais peut-être le condamner. Voilà, pour un début, je mets déjà ça là. J'ai combien? Ah, oh! C'est quoi les couleurs? Je peux peindre mon coffre? Ah, mon coffre, oui. Il est rouge. J'aime bien les coffres en rouge. Customisé. Yeah, la canne à pêche, un bamboo. Ah, je me sens mieux. Ah, attends, l'arrosoir. Est-ce que je peux le laisser dehors pour qu'il se remplisse à l'eau de pluie? Merde, je viens d'arroser le chemin. Oh, le con. C'est pas bien grave. Oh, juste moins d'eau dans ton arrosoir. Bah oui, et comment je fais pour le remplir, moi? Je vais à une source, Ah oui, il y a une source, là. Oui, t'as toujours un petit point d'eau. Ah ouais, trop bien. Mais c'est plein de bon sens, ce jeu, non, je peux pas revendre mon appât, je suis con. Mince, je viens d'arroser le coffre. Par contre, pour l'instant, je me permets, je vais... Mais oui, vas-y. Je vais ranger les appâts. Voilà. Oui, hop. Attends, allez, je vais repêcher. Ah, c'est comme ça. Oh, faut que je m'habitue à l'interface du jeu. Ah ouais, oui. Ouais, c'est pas facile. Je vois tes appâts. Oh, t'es doué, bien. La foule, je sais pas si j'en ai besoin de la foule. Couper l'herbe, faire du foin. Si vous avez construit un silo, non? Le silo viendra plus tard, donc la foule, elle va rester dans le coffre. Ah, je suis content de ce que j'ai fait là. Alors, je ferai du social un peu plus tard là. Jour de pluie, je bêche, je m'en fous. Alors attends. Mais la propriété elle a l'air d'être énorme quoi. On a acheté un parc naturel, ouais. Oui, bah je vais faire le secteur. Pourquoi il brille plus que les autres? Ah non, c'est la. D'accord. C'est l'espèce d'arbre qui veut. Qu'il a une teinture comme celle-ci. Merde, la houe m'a dit Morbeau, la houe, pas la hache, c'est pas pareil. Alors Morbeau qui dit non, juste que ce coin là tu peux pas le poser, ok. Garde tous tes outils sur toi, t'en as toujours besoin. La faux te sert à couper, oui, ouais, les herbes, buissons et récolter. Mais oui, mais quand j'ai de certains semis, bah... La description disait que ça, la faux fonctionne seulement si vous avez un silo. Ce qui n'est pas mon cas, que je sache.
Enfin bon, je vais bien reprendre la... Je vais reprendre l'info. Mais non, mais... Ah, j'ai même pas vu que j'avais du charbon entre temps. Alors attends, je vais remettre les outils dans le bon ordre. Voilà. Non, merde, voilà. Si, c'est un caillou ou pas? C'est un caillou. C'était un rapide celui-là. Et ouais, merci pour tes explications, mon robot, parce que c'est pareil, j'explique très mal. Non. Et c'est un peu comme si je redécouvrais le jeu aussi, parce que ça faisait un petit moment que j'y avais pas à rejouer. Alors moi, je vous dis, découverte voilà, totale. Ouais, découverte totale pour moi. Je connais juste le jeu de réputation. J'ai vu un petit peu quelqu'un y jouer il y a longtemps. Et je me demande d'ailleurs s'il n'y avait pas... Ça avait justement l'air d'un Zelda. Dans le sens où on voyait un semblant de volcan avec de la lave. Je sais pas si je comprends avec un autre jeu. C'était assez flippant. Peut-être, je sais pas là, par contre. C'est quoi ça? Ah, c'est des souches énormes. Ouah, je cours dans les hautes herbes. J'ai pas les deux écrans devant moi, donc je vois pas ce que fait le sage en fait. Les buissons prend la faux. Oh, ouah, la puissance de la faux. Ouah, les hautes herbes, comment et je ouais, défonce. La faucheuse. Ouah, vous pouvez m'appeler Monsieur Moissonneur. Ouah, la vache. Putain, le pire, c'est que j'en ai qu'une en vrai de faux manuel. Ouais. Alors, moi, je sais plus si je m'en suis servi. Je faisais le con en me prenant pour la faucheuse. Mais en dehors de ça, je me souviens, je vois un peu mon papa travailler dans le jardin. Il y a des années de ça, faux en main. Et je dois reconnaître que certes, ça te bouffe l'énergie. Mais punaise, quand t'as le geste, c'est redoutable. Ah oui, oui. Mon père, pareil, il utilisait pas mal la faux à une époque. Je crois qu'il l'a toujours d'ailleurs. Ah ah. Moi je sais pas ce qu'il est. Je fasse gaffe à l'heure. Moi. Elle est peut-être cassée, je pense, je sais pas. Ah merde, 21h. Oh la vache, oui, bah je vais aller me pioter moi. J'ai bien bossé, je suis dans le jaune, dans l'énergie. Alors. Je vais pas trop traîner moi non plus. Hop là. Merde, je donne un coup de fouet à la porte d'entrée. Ah, eh, ça manque de lumière chez moi. Ah, attends, je vais aller dans le menu en attendant. Qu'est-ce que je peux faire? Oh merde, il y en a des choses. Attends, Bousonville, la carte. Wouah, hey, le petit patelin quand même. Ah, mais il y a une vraie route en plus. Il y a une route goudronnée, ouais, ouais. Ah, il y a des mines. Il y a des lieux enfin, encore inconnus. La poissonnerie. Ah ouais, c'est pas la porte d'à côté, les quais de pêche. Ouais, quand même. D'accord. Clique sur la cheminée pour allumer un feu. Ah oui, tu as raison. Ah oui, stylé. Trop bien. Mince, j'ai pas rangé mes merdouilles dans le coffre. Attends, je ressors dehors pour me prendre une saucée. Mais je vais ranger mes... Mais okay. Moi, je vais me pioter. Voilà. Attends, moi je découvre encore mon menu. Ah, je vais en profiter pour retourner aux toilettes. Alors, clôture en bois, portail, d'accord, coffre, torche. Ah, mais j'ai pas de sève. Pancarte en bois, pancarte en pierre, chemin en bois. Ah, eh, pas mal. Chemin en pierre, chemin pavé, feu de camp. Alors, ça me fait penser à un jeu qui est plus simple, qui est moins sophistiqué, mais qui est dans le même genre, en clic-clic, qui est très détente. D'ailleurs, le seul gain, c'est de laisser tourner le jeu. Vous attendez, puis vous avez un peu comme un rentier, vous avez le pognon qui arrive tout doucement. C'est avec un haïtien, le mec, il est en fleurs avec son pagne en feuilles de palmier. Vous êtes dans les îles là du sud. Il y a un côté un peu féerique. Et je sais plus le nom du jeu. J'y joue de temps en temps. Faudra que je vous en parle un jour, que je vous fasse une démonstration sur mon antenne à l'occasion. C'est un jeu vraiment très très relax, mais c'est sympa. Si vous voulez, on peut le qualifier sans vouloir le dénigrer, ce jeu, comme étant un fond d'écran interactif.
C'est l'idée. Pour ceux qui ont connu les fonds d'écran dans les Windows. Heureux. Je me prends alors, quelques petites sucreries là. Oui, t'as bien raison, moi aussi. Oh, tu vas me donner envie. C'est des petits bonbons des Vosges. Regarde, j'ai même pas. Oh la vache, t'as cartonné dans la pêche, Olive. 800. Je carbure, hein, j'y vais. Voilà. Je récolte la tunasse. Hein. Ça déconne zéro. Ah, mon petit argile que j'avais en trop, 95. Quand même. Bon, en attendant, je te suis pas d'une grande aide, en fait, c'est chiant. C'est pas grave. Mais si, tu apportes de la thune, elle est partagée, la thune. On a ah oui, ça oui. Bah, pour que tu puisses t'acheter ton sac à dos, pour avoir plus de place. À plus, Morbeau. Bon retrait, bon repos, merci à toi. Bon courage pour la suite. Oui, va te reposer, Morbeau. Bonne journée, merci pour tout. Merci pour tes précieux conseils. À très bientôt, quand je t'aurai acheté le jeu. Jeudi 4. Oh, les visites ont poussé. Ah, alors, bulletin météo. Il fera beau. Ouais, après, il n'y a rien de... Bon, bah, j'arrose déjà, moi. Ok, allez. Merde, j'ai arrosé déjà le chemin. Oula. Attends, je vais t'aider à arroser la parcelle. Alors moi je vois ce que je suis en train d'humidifier, alors que toi je présume que tu vois pas ce que j'humidifie. Non, moi je le vois quand tu... Ah bon ? Tu arroses. Ouais, ah ouais, oui, je te vois pas toi aussi. Bah c'est bizarre, l'autre jour je voyais pas la différence quand tu arrosais. Ah, peut-être que c'était pas encore bien calibré, on va dire. Le jeu c'était pas encore... Ouais, je crois. Trop bizarre. Ah, croate, je vise mal. Oui, c'est pas évident. Hop, voilà, je te laisse finir. Ouais, ça fait nickel. Je vais re-remplir l'arrosoir, nickel. Pareil, tiens. Mais m'achète pas le jeu 20 du ouf, te dit Morbeau. Bah, on même en discutera que je te entre nous en antenne. J'attendrai qu'il fasse des soldes. Même moi, éventuellement, je lui offrirai. Pour les bons conseils qu'il nous a donné, mais merci. T'es pas obligé, le sage c'est très gentil à toi, mais enfin. Bah écoute, enfin. Il coûte pas 50 balles, hein, c'est pas c'est pas un bon ce truc. Non, à plus. Mais bon, c'est. Bon, merci c'est d'être passé, cadeau Anthony, bonne prise d'antenne à toi. Je sais que tu fais ton 16h-20h classique. Stream à toi, Anto. Alors, je sais pas comment va se passer ma journée de direct. Il est vrai qu'il n'est pas exclu que je fasse tout à l'heure un relais de chaîne à Cadeau Anthony, mais je sais pas, je vais peut-être garder l'antenne, je sais pas très honnêtement. Mais bon, bonne prise d'antenne à toi, Cadeau Anthony, merci pour le passage. Pardon. Alors, ce n'est pas votre boîte aux lettres. On peut pas lire le courrier des autres. Ah, c'est excellent. Ah mon dieu. Tu voulais faire quoi? Bah en fait, j'ai cliqué sur la boîte aux lettres de la maisonnette bleu turquoise. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est bah pareil, je découvre des trucs. Hein. Je sais pas tout sur le jeu, hein. C'est tellement dense en plus. Bah visiblement, oui. Oula. À son lune. Oh, mélange de graines. Bien, je vais pouvoir les cultiver. Le point. Je ne t'avais pas vu le point. Ah, bonjour le point. Ah oui, alors là, oula, oui là, c'est le carnage à la four là qu'il faut. Oh, de la fibre. Alors je sais pas s'il y a un intérêt à garder les hautes herbes ou pas, mais là, celles-là, je les ratisse, elles sont trop proches des propriétés. Attends, c'est quoi ce... Ah, c'est la baraque abandonnée. Minerai de cuivre, bah ça je vais le garder ça. Oh. Crafter des trucs, ça on va en avoir besoin pour en faire des lingots après quand on pourra briquer la machine à faire des lingots tout simplement. Ah, quand tu dis lingots, ça me rappelle que Joueur du Grenier avait fait une vidéo sur ce jeu et il avait fait une vanne, il y a une perso, une nana qui est terrible, elle aime que les lingots d'or et les diamants. Et la JDG de conclure, ah bah moi aussi. Le truc de fou.
Ah, du... Ah, j'ai récupéré du... Ah, ouais. Nul. Ah, non, c'est vraiment pas terrible. De toute façon, j'ai plus de place. Hop, allez. Il m'a l'air bien sympa, ce jeu. Ouais, franchement, cousin, je t'avouerai que... Que je me laisse prendre au jeu, j'aime bien. Il est assez assez chronophage hein. Quand tu te prends dedans là, c'est ouais, c'est même pas la peine quoi. C'est un engrenage très prenant. Ouais. Bah il y a un petit côté Zelda, je trouve. Oui. Je sais pas si j'ai quelque chose de correct, mais n'ayant jamais joué à Zelda. Mais... Alors, j'ai jamais joué aux Zelda à part un des plus récents là. J'ai bouffé le titre. Mmh. Ah, Breath of the Wild, là, je sais plus quoi. Voilà, Minecraft, oui, merci. Le jeu le plus vendu au monde. Plus de 200 millions de copies. Et le jeu favori du sage. Rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg. Allez, on retourne pêcher. Côté Minecraft, ouais, pour les établis aussi, ouais, le point, ouais. Ah, les emotes Minecraft de Le Point. Ah, j'ai retrouvé de l'argile. Putain, il est 14h, je suis déjà quasiment au PLS. Alors, je vais arrêter, je vais aller dans le village pour l'après-midi et faire les contacts sociaux. Eh, ça bouffe pas mal d'énergie. Je vois. De voilà de couper du bois, des trucs comme ça. Alors pour l'avoir fait en vrai, je confirme. Je dis ça parce qu'il y a pas si longtemps. Je vois marqué Philippe Candeloro a commencé à diffuser en direct à la place d'Anto. Hein ? Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça m'a. Bah, ça tu m'a m'étonnes trigger, que ça mode... t'a coupé la chic. C'est quoi ce délire ? T'es abonné Philippe à la chaîne Candeloro de. C'est quoi ce bug ? Philippe Condello. La chaleur, on va dire. Oui. Des graines de. À laquelle il coule. Alors attendez. Je vais faire une petite parcelle bonus. Ah oui, je peux les. Hop. Vas-y, voir que je prenne l'arrosoir pour tester avec. Bon, bien, attendez, je me pose bien au fond de mon siège. Ah, Sol qui a merdé la pêche. C'est un fragment de textile qui pendouille à son hameçon. Dommage. C'est mûche. Voilà. Et là, je noie la plante. Voilà, bon, j'arrête parce que je suis en orange maintenant, au niveau épuisement. Le shawa shawete. Alors, le village, putain, il est déjà l'heure du goûter, non, attends, passe trop vite. Alors, allons par là. Oh merde, il y a un bus. Oh non, je veux pas me barrer de la ville. De toute façon, il faut que tu le répares d'abord. Ah, je savais même pas qu'il était en PLS le bus, bon, ouais, comme ça. C'est déjà un vestige. Ah oui, le coup de la fleur. Effectivement, je viens de m'offrir une jonquille. Ah d'accord, merci pour la précision, Saul. La nouvelle blague de Anto, à chaque stream, il écrit une autre célébrité. Hier, c'était Frank Roppers. Mais c'est génial. Merci ouais pour l'info que je ne savais pas. Quel plaisantin cet Anto. Parce que j'ai été beaucoup sur ces streams là récemment. Ah là j'avoue là. Donc c'est pour ça que j'avais pas trop compris la blague en fait. Ça fait une surprise amusante hein. Moi j'aime bien. Pelicanville, c'est verrouillé. Oui, on dirait que la barque est complètement laissée à l'abandon. Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'est con, je suis épuisé, mais... On dirait qu'il y a une parcelle à entretenir. Ah, il y a des outils. Qu'est-ce que c'est que ce délire?
Rien. Merde, non, je veux pas m'asseoir sur le banc, je cueille à la jonquille. Petit nettoyage, bon jeu à vous. Oui, merci, oui, tu te déclares en retrait. Bon, bon ménage à toi, Sol. Merci pour tout. Oh, un poireau. Oh merde, ça aurait pu être cadeau en tonique. Ah mon dieu. Ah oui, il y a du peuple. Le mec est rentré dans sa baraque, il est 19 ans. Ah, la malaise. La malaise. La madame est au bord de la falaise. Ah bah c'est Robin. Alors, est-ce que tu as rencontré tout le monde au village? Ça a dû être épuisant. Non, je suis très loin d'avoir rencontré tout le monde, ma grande. Je démarre à peine. Je prends mère trop tard. Vu l'heure, oui, tout le monde est dans sa caisse basse, c'est sûr. Alors, moi, je vais mettre 3 plombes à retrouver le chemin de ma demeure. Et puis, la carte est pas si évidente que ça. Hein. Même quand tu la consultes, tu la trouves pas très précise. Ouais, faire un effort de mémoire. C'est quoi ce truc? Ah, mais il y a un petit centre-ville dans ce patelin. Wouah! Non, c'est les anniversaires du maire dimanche. Anniversaire de Halley, la fête des œufs, ok. L'anniversaire de Vincent, de Pam, de Chêne, la danse des fleurs, oh trop classe. Anniversaire de Pierre et d'Emilie. Putain, c'est vachement bien chez Pierre. Wow. Je suis en train de me perdre, il est 21h, faut que j'arrête mes conneries, faut que je rentre chez moi. Je crois que c'était par là. Ouais, petit à petit, je vais me familiariser et puis je vais réussir. Attends, je vais essayer de te retrouver. Pardon, putain, j'ai mis un coup dans le micro. Pardon. Non, mais j'ai réussi, je viens de rentrer. Mon micro-casque. Ah, tu viens de rentrer. Oh, bah, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est bon, j'arrive à prendre mes repères. Nickel. Ouais, c'est chiant au départ. Hein. Les poireaux, je vais cultiver à Attends, part. Attends, je vais pêcher encore un tout petit peu. Moi, je vais planter mon premier poireau. Ah non, il n'est pas d'accord. Merde. Ah oui, non, c'est peut-être pas la bonne saison. Je crois que c'est... Ça ah, il y a le respect des saisons. Oh là 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 là. Ou en hiver. Ouais, je sais plus. Wow. En attendant, c'est pas grave, tu peux le stocker dans le... Oui, bah dans le coffre, ouais. Je me gêne. Voilà, ouais. Demain, voilà. Si j'ai le temps, d'ailleurs, que je t'en fabrique un autre. Je récupère d'autres bois et je fais un deuxième coffre. Parce que, voilà, je veux la richesse. Oh, le bol décoratif. Merde, j'ai sorti de la table, je l'ai pris. Non, remets-le. Ah, la météo, elle dit quoi pour demain? Demain, il fera beau, ce sera une journée ensoleillée. Ok, il faudra arroser, nickel. Ouais, puis l'après-midi, j'irai voir le peuple. Hachez people. Je vais me rentrer. Je fais tard. Merci à vous toutes et toutes d'être là. Je vois que vous êtes 8 spectateurs. Alors que ça fait même pas 2 heures qu'on est en ligne. Eh bien, merci. Pardon. Franchement, j'ai une expérience Twitch extraordinaire parce que vous êtes tous des artistes autant que vous êtes. Je m'explique. Non, mais le chat, là, on n'a pas Bob Morlock, mais Bob Morlock, il fait des trucs d'art. Oh ! Parenthèse, pardon. Il fait des trucs d'art dans le chat avec de l'ASCII code. Et là, la découverte du point qui a sa manière de s'exprimer, mais qui est stylée artistique. C'est une expérience franchement moi qui m'enchante. C'est waouh, c'est. Mais c'est trop cool. Ah moi j'aime bien. Et puis ça va, tranquille, au calme quoi. Oui. Mais un jour tu rencontreras sur mon antenne, enfin dans le chat le point, tu feras connaissance de Bob Morlock, tu verras quand il fait des trucs en ASCII, c'est impressionnant. Niveau supérieur, niveau 1, extraction minière, plus 1 de compétence de pioche. Nouvelle recette de fabrication apprise, la petite bombe. Ok, je savais pas qu'il avait des origines corses, le mec. Ça parle mal. Je vais avoir des problèmes.
Il a tapé sur le paysan et maintenant sur les Corses. Hein. Voilà. Voilà, c'est totalement gratuit. Youhou. Alors, cueillette, pêche, autre. Alors, le autre m'intrigue. Je sais pas ce que c'était, on aurait dit une algue. Je crois que c'est différents matériaux quand genre, tu revends des lunettes cassées, du papier, des trucs comme ça, je crois. Ah oui, tu recycles effectivement. Hein ? Un coq, quel coq ? Qui c'est qui a un coq ? Ouais, bah pareil, demain il fera beau aussi. Wouah ! Quelqu'un qui m'attend devant chez moi ? C'est Marini ? Oula, elle est sacrément chevelue. Mais non, j'ai pas brisé des rochers, j'ai rien fait. Bonjour le sage. Tu vois ce chat là-bas ? Non, pas là-bas, il est à côté de toi, arrête de dire là-bas. Je l'ai trouvé assis devant l'entrée de ta ferme. Je crois que c'est un animal errant, pauvre petite chatte. Faut qu'on lui donne de l'eau tous les jours. Après, pour la bouffe, il se débrouille tout seul. Ah, bah ça va, ah, c'est génial, je crois qu'il peut récolter des panais, c'est génial. Je crois qu'il aime bien cet endroit. Et eux, tu penses pas que ta ferme aurait besoin d'un chat ? Moi, j'adore les félins. Ah oui, j'adore le chat, complètement. Son nom, Oula. Je ne vais pas être original, hein, je vais la surnommer princesse. Non. Voilà. Oh. Ah, mais voilà. Je fais n'importe quoi, moi. Eh bien, princesse, sois un bon petit minou maintenant, d'accord ? Je laisse récolter l'autre moitié du panier pour... je crois qu'il faut valider une quête avec... Wouah ! Ah oui, en effet ! Par contre, je crois qu'il y a... ça à arroser, hop. Non, attends, je vais pas manger le panais maintenant, je vais en faire en recette. Voilà. Moi. Non, plus tard. Plus tard. Et puis on ira à la pêche, comme ça on aura du poisson, du poisson panais. La nouvelle recette. Great. Hop, voilà. Arrosoir. Mais attends, mais qu'est-ce que je fais, moi ? Je suis un ego, là. Je fais pas ce qu'il faut. Mais pourquoi il est à part ce panel là ? Ah, il est mieux. Voilà. Ah, j'ai un panel qui distingue. Il a une étoile d'argent. Il est plus nutritif. Il est meilleur. Oula, ouais, il me faut pas mal de minerais, de cuivre et de la pour fabriquer la fournaise pour faire des lingots. Est-ce que je vais pas refaire un autre coffre, je sais pas. Enfin, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ouais, on a encore de la place. Bah, je vais aller repêcher, du coup. Ouais, fais-toi plaisir. T'arroses rien, le sage. Bah, je peux anticiper l'arrosage, moi. Tu peux, et après tu plantes. Si tu plantes, c'est automatiquement arrosé, quoi. Bah, je pense, oui, si je plante des trucs. Voilà. Je pense pas que le jeu va me sanctionner et annuler l'arrosage si je plantais un truc par-dessus. Après, je peux acheter des graines au pire pour. Mais oui, du coup, comment je fais pour obtenir des graines, effectivement ? Faut aller au magasin. Ah ! Et chez Pierre. Bah, je vais apprendre à aller au magasin, et où ? Attends. Je vais prendre pas beaucoup de graines, mais... Ah oui, j'ai de la thune, en plus, grâce à toi, 2500. Oui, il y en a un petit peu comme ça, après, je repartirai pêcher. Alors, qu'est-ce que... Non, pas graines d'abricot, c'est très cher. Ah, tiens, on peut planter des pommes de terre. Et des tulipes, je sais pas. Oula. Là, j'ai un truc qui s'est affiché. Ok. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est alors, via Lewis, ton... on salue. J'ai un truc scripté, hein, je peux rien faire. Ah, mais c'est la baraque que j'ai vu abandonner. Ah ouais, mais c'est normal. Ouais, c'est normal. Quelle horreur, Pécanville. Avec une belle horloge. C'est quoi mais l'horloge ? Je voulais acheter des graines. C'est le centre communautaire de Pélicanville, ou plutôt ce qu'il en reste. Oui, il faut leur taper, c'est ça qu'il va me demander. C'était ouais, la fertile de cette ville. C'est débloquer pas mal d'objectifs dedans, en fait. Hein ? Et ça va, va te faire des cadeaux et notamment ça va t'aider à remplir d'autres objectifs, à savoir par exemple réparer le bus pour aller vers d'autres endroits en fait. Oh. Ah oh, parce que c'est programmé même en dehors du. Oh là là, ce jeu est riche. Oh la vache. Regardez-moi ouais, non, ça, mais c'est il est vraiment. Ces derniers temps, les jeunes préfèrent s'asseoir devant la télévision que de faire partie de la communauté.
Bah oui. Mais écoutez-moi, on dirait un vieux gâteux. Alors, Joja Corporation l'a harcelé pour leur vendre le terrain afin qu'ils puissent le transformer en entrepôt. Pelicanville a besoin d'argent, cependant je n'arrive pas à le vendre. Les vieux comme moi s'attachent aux reliques du passé, enfin bref. Si quelqu'un d'autre devient membre de la Joja, Co, je le vendrai. Non, bah, on va essayer de soupir. Alors, allons voir l'intérieur. Oula, dur. Oula, gare. Et là, il y a le premier boss, une araignée géante. Oula, j'étais pas loin de la vérité. Oui, ah, c'est grave délabré. Il y a des petits esprits qui apparaissent. Des esprits. Oui, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est? C'est pas encore... Vincent et Jas ont dû venir jouer ici. Oula, ça va se transformer en Mario et Luigi contre les fantômes, là, ouais. Cet endroit est encore plus délabré que dans mes souvenirs. Oh, Pokémon! Il y a une pomme qui dit bonjour. Alors, ne sortez pas la phrase que je viens de dire hors de son contexte, hein, on va me prendre pour un fou. Oui, j'avais même pas tilté, tu vois. Quoi? Mais oui, mais on aurait dit une pomme qui disait bonjour. Oui, une petite pomme. Quel est le problème? Oui, c'est une malade. Sorte d'esprit. Ah, le poids qui balance les fantômes. C'est ça. J'ai ma chaise qui couine. Je serais pas surpris si cet endroit était infesté de rats. Mais non, mais c'est la pomme de... Putain, mon perso qui a fait un sursaut de fou. Vous m'inquiétez, bon, le alors... sage. Écoutez, je vais rentrer chez moi, j'ai besoin d'un bon repas. Oui, bah, qui rentre chez lui, qui se prend un bon potage, et puis voilà. Alors, je vais laisser cet endroit ouvert à partir de maintenant. Vous pourriez essayer d'attraper ce rat si vous en avez le temps. Mais c'est pas un rat, mec. C'était une pomme sur patte qui me faisait bonjour. Étrange, ouais, voilà. Tu m'étonnes. J'ai acheté 10 graines de pommes de terre, là. Ah, bah, t'es une chef, merci, Olive. Je pourrais revenir plus tard et explorer davantage voilà. Cet endroit. Hop. Je vais te planter ça, et puis après, je vais continuer à pêcher, quoi, pour... C'est ton métier officiel, pêcheuse. Mais j'adore pêcher, hein, plus que cultiver des trucs ou... J'aime bien miner aussi, mais alors putain, là c'est pareil, quand tu vas à la mine... Ah, mais tu te fais péter la gueule, mais genre... Ah oui. C'est difficile au début. Hein. Ah oui... Ah, bonjour, monsieur Pierre. Ah oui, je suis en train de découvrir le magasin. Alors, graines de panne et graines d'haricots. T'as dit pommes de terre, toi, que t'as pris. Graines de chou-fleur. Voilà, pourquoi tu prends... Ouais. Graines de chou frisé, graines de zania. J'ai essayé de prendre les moins chères pour pas trop dépenser, mais... Bah oui. La recette du gazon. Et là, normalement, ouais, c'est déjà arrosé. Ça va faire pousser une parcelle d'herbe. Ouais, c'est déjà arrosé. Hop. Sucre. Hey, je me casse à la pêche. En mettre trop peut être mauvais pour la santé. Farine de blé, du riz, de l'huile, du vinaigre, du papier. Ouais, ça encore, tu peux le faire toi-même plus tard. Quoi? Catalogue, décoration, 30 000 boules. Non, mais ça va pas, donne un accès limité au papier peint rousse. Ah, il y a une habitante qui m'ignore. Bah, elle va se faire voir. Cerisier. Waouh. Abricotier, oranger, pêcher, grenadier, pommier. Énorme. Ah ouais. Bon, on va commencer modeste avec les graines. Des haricots à planter au printemps. Bon, on est le printemps. Il faut 10 jours. Pousse sur un treillage. Merde, j'ai pas de treillage. Non, mais t'as pas besoin de treillage. Ah, le triage pousse automatiquement avec. Quand ça pousse, t'as le triage qui pousse avec, en fait. Ah, c'est génial, ok, pour le prix, je veux bien. Allez, j'en achète 8. Allez, investissement sur l'avenir, merci monsieur. Oh, la Miss, bonjour Miss. Caroline. Les pommes. Ah, animaux de pommes avec le point. C'est mignon que le perso se prénomme Caroline, en fait. J'ai une pensée pour une cousine qui se prénomme pareil. C'est rigolo. Bonjour, tu dois être le sage, le nouveau fermier. Elle s'est cassée. Merci, elle m'a mis un vent. La demoiselle m'a mis un vent. J'en ai une qui m'a collé un vent aussi. Je sais plus laquelle, d'ailleurs. Ok.
Bon, ils sont un peu space, c'est okay, mais bon. Sympa. Oh merde, il est 19h, je suis plein d'énergie, j'ai rien fait dans le jardin. Merde. T'inquiète. Oh non, mais ça va trop vite, attendez. Quel t'as le temps de penser, planter tes graines normalement. Bah j'aurais aimé, j'avais dit mon objectif de la journée c'était récolter du bois pour faire un deuxième coffre. Alors j'ai pas lu mon courrier, j'ai pas planté les haricots, je suis dans la merde. Ah ouais, tu m'aurais dit, j'aurais peut-être... Eh non, je voulais récolter du bois et faire un deuxième... J'aurais récolté du bois, quoi. Bah oui. Enfin bref, c'est pas la fin du monde, mais... Là, à mon avis, je vais aller quasiment jusqu'à minuit, mais là. Bon. Là, je m'en fous, j'abuse. Alors, vite, l'arrosoir. Je commence à accrocher sérieusement le jeu. Alors, je comprends effectivement qu'il soit chronophage, mais il est sacrément bien pensé. Oh la vache. Mince. Ah. Mais non, mais j'ai encore arrosé le chemin. Enfin, tu me diras, dans la vraie vie, pareil, je suis pas foutu de viser. Oui, donc je disais, tout à l'heure, Stardew Valley, je l'ai fait en vrai. Je l'ai fait en vrai il y a quelques jours, parce que j'ai dépanné un copain qui partait en vacances, et pendant 2 semaines, un jour sur deux, je suis allé à son potager verger. Et il se trouve que son verger a une particularité dans en plein de Nancy en fait. Et alors, je rappelle que Nancy, ma ville à la base, est basée sur des marécages. Ma ville a été établie en l'an 1000 environ au Moyen-Âge. Et Nancy est née comme ça, dans je sais plus quel patois, mais pas lorrain. Nancy veut dire marécage. Enfin, pas Nancy strictement, mais c'est un dérivé qui est devenu le nom de ma ville Nancy. Bref, tout ça pour dire que la particularité, c'est qu'il y a deux pompes à manuel. Pour tirer l'eau à 7 mètres de profondeur depuis la nappe phréatique. Donc je te prie de croire que quand tu remplis un bidon de 50 voire 100 litres, ça entretient le matin quand tu fais une heure de pompe. Je me suis musclé là pendant 15 jours. Mais c'est sympa, ça change les idées. Alors, une lettre à nos chers clients du marché Joja. Les membres de notre équipe ont dégagé le glissement de terrain. Quoi ? Ah oui, les membres de notre équipe ont dégagé le glissement de terrain provoqué par notre opération de forage près du lac de montagne. Oh, je sens qu'il va falloir lutter, monter un syndicat et devenir avocat contre l'entreprise qui empiète sur le territoire de la commune. Ça fait l'effet là. Je tiens à vous rappeler que notre opération de forage est tout à fait légale. Suivant l'abonnement qui, oui, Joja Corporation, ouais, qu'ils ont voté eux-mêmes, évidemment. 61,91. Voilà. La gestion responsable de l'environnement est notre priorité. Oui, bien sûr. Nous sommes désolés des désagréments que cela a pu vous occasionner. Comme toujours, votre soutien continuel et votre bien-être sont importants pour nous. Maurice, responsable de satisfaction de la clientèle chez Jaja. Merde, il est déjà l'admi et voilà, j'ai rien fait. Ah, bon, j'ai arrosé les haricots, je les ai plantés. D'accord, mais j'ai pas fait mon bois pour le... pour mon coffre. Ma faute. Oh, mon chat. Merde, mon chat. C'est quoi déjà? Il m'aime. Oui. C'est Mimi. Faut pas oublier de... Mais là, il fait déjà dodo. Je fais comment pour lui donner de l'eau? Ah non, alors attends. Attends. Ah bah c'est bon, il y a déjà de l'eau dans sa gamelle. Bon bah c'est cool. C'est en haut, légèrement sur la gauche. C'est pareil. Ah, c'est il y a ça, déjà la de gamelle dedans, de princesse. D'accord. Ouais. Ok, merci, tu me l'apprends. Oh, bah punaise, c'était pas indiqué dans le tuto. Voilà. Le chat, il pouvait crever. Ouais, j'avais oublié de te le dire. Ouais. Non mais c'est pas grave, merci. Merde, on est en retard, il est déjà... Eh bien, et coucou Nacha. Ah, Nacha et Manu, pardon. On est tellement pris dans le jeu qu'on oublie la communauté autour. Bonjour Nacha et Manu, je crois que tu vas bien. Mais j'espère que vous ne crevez pas de chaud. Compétence d'arrosage, compétence de houe, nouvelle recette fabrication épouvantail, nouvelle recette fabrication engrais de base. La classe. En vrai, je l'utilise jamais, mais... La classe. Ah, casse-croûte, graines sauvages... C'est cool. Ouais, bien joué. Cool. Oui, du coup, on le mange pas nous-mêmes, nos végétaux, là, dans l'immédiat. Il faut qu'on les revende, on peut pas en faire recette. Bah, de toute façon, oui, là, pour l'instant, faut les revendre. Ok. Et puis, bon, bah, après, plus tard, tu peux cuisiner des trucs avec. Voilà, quand tu... Mmh. Et ça, c'est quand tu auras la...
quand on aura le... je vais y arriver. Quand tu auras la chaîne de cuisine à la télé et que tu consulteras la télé, bah, faudra regarder la chaîne de cuisine pour obtenir de nouvelles recettes. Voilà. Ok. Vache. Cool, j'ai une canne à pêche de luxe. Oh bah ça va, tranquille. Ah, c'est trop bien. Hop là, ça va faire de la thune. Oui, alors je voulais couper les bois. Je voulais aller couper du bois. Attends, j'ai tout arrosé et après je vais récupérer ma canne. Ah oui, merci, oui. Hop, voilà. Non, j'avais oublié. Le boulot, il va pas être fait. Putain, la vache, c'est pas évident. Je viendrai en hurlant la prochaine fois. Vous allez bien, sinon... Là, ouais, hurle, Nacha, ça va, merci, hurle. Nash. Merdome. Oula. J'ai un mal fou à viser, hein. C'est incroyable. Allez, gigot. Ah merde, j'avais pas vu, j'avais mon écran de quête qui clignotait. Oula, 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 oula. Comment bien démarrer, terminer. Ok, j'ai gagné 100 PO. Bah, ça va pas trop mal, Nacha, et toi? 5 sur 28. Élevage d'animaux. Attends, le problème de rage. N'est-ce pas quelque chose de bizarre dans le centre communautaire? Enquêter. Oui, j'enquêterai bientôt. Progression. En acquérant de l'expérience, vous découvrez de nouvelles recettes d'artisanat et augmentez vos revenus et rendre la vie plus facile. Un épouvantail, par exemple, empêchera les corbeaux de manger vos précieuses récoltes. Atteignez le niveau 1 en agriculture et fabriquez un épouvantail. Ok, je vais bientôt faire l'épouvantail. Élevage d'animaux. Robin, la menuisière locale, vit dans le nord du village. En échange de matériaux bruts et un peu d'or, elle construira de nouveaux bâtiments sur votre ferme. Vous aurez besoin d'elle pour construire un poulailler et une grange afin de pouvoir élever des animaux. Ah, c'est bien pensé. Punaise, ça me plaît bien la mécanique de jeu. Ah ouais, mais tellement la pluie, Nacha. La vache. Nous aussi, ouais, on attend. Ouais, la pluie, ouais. Bah, j'en ai mardi, moi, normalement. Ah, oh, un livre perdu pour toi. Alors. J'ai eu le message. C'est pour agrandir la collection de la bibliothèque, parce qu'on a aussi une bibliothèque. Pour apprendre plein de choses. Ah oui, dans la commune, oui, pas nous. Voilà. Elle est publique, elle est pas privée. Yep. Ah non, mais c'est classe. Merde. Il est pas là, le Willy. Où est-ce qu'il est? Non, mais moi j'ai rangé ma canne à pêche. Je peux pas pêcher, sinon c'est nul. Superficie de ce domaine de fou. Je suis deg. Oh, t'as déjà eu le feu avec à cause de la foudre. Hein? Bonjour Adjé. Oui. Coup. J'avais pas vu. Ah mais Dieu. En vert aussi. C'est que j'ai pas vu. Oui, oui, bah oui, quand c'est la même couleur parfois, ouais, tu confonds les intervenants. Merde, je suis en train de me planter d'outils, moi. Merde, je crois que c'était un rocher. Je viens de bousiller un végétal avec une pioche. C'est pas grave, tout va bien. Merde, oum. Ah, j'aimerais avoir plus de bois. Sachant que c'est pas encore aujourd'hui que je vais me faire un nouveau coffre. Fais la, fais la poule. Putain, je suis en voie d'épuisement là. Allez, faut se droguer. De page. Jamais arrêter de travailler. Ouais, il me semble, hein, c'est. Et mercredi, je crois, la pluie. Mardi pour moi. Du moins en France, enfin. Pas partout en France, mais en tout cas par chez moi, ouais. Putain, je l'attends pied ferme, ouais. Mais... Putain, c'est dégueulasse. Je viens de voir la barre d'énergie qui descend. Ah oui, mais c'est vrai que c'est là où donc j'ai frappé le sol et pas le buisson. Je suis d'accord.
que je me disais, je frappe pas mon buisson avec la houe et il me soustrait un point d'énergie. Comme quoi, il est vraiment en rigoureux, mais il a raison. Il m'a dit que j'ai tapé le sol, donc c'est le sol que j'ai rendu cultivable. Ça se tient, je peux pas contester, c'est logique. Merde, je vais t'épuiser, j'aurai pas assez de bois pour faire une deuxième caisse. Je veux une deuxième caisse. Oh, il y a un chemin là. Attends, ça va où? Attends, je m'en fous une petite pause, on est en début d'après-midi. Qu'est-ce que c'est que... La ferme ou Pélicanville? Si je vais à l'opposé, je... Oh! Mais attends, mais il y a du bois hors de chez nous, et oui, forcément. Oui. Tu vas un peu plus vers le sud-ouest, quoi. Oui, bah je m'en fous, je récupère le... Eh, mais on a un ponton, nous. On pourrait pêcher là, c'est pas interdit. Oh, on a notre propre ponton, pas très loin de... Oh, merde! Moi, j'irai pêcher là, on me foutra la paix. Je vais faire mon sauvage, hein. Il n'y a pas toujours beaucoup de poissons, en fait, ça dépend. Puis bon, voilà, après, il y a plein de variétés de poiscailles, quoi. Le poisson de rivière, le poisson de l'océan, tout ça, enfin, c'est assez varié, quoi. Et des fois, tu as des quêtes où quelqu'un vient te demander, je sais pas, moi, une truite ou une alose. Waouh. Ça dépend. Je suis en train de voir des trucs. Ah, n'hésite pas à explorer, hein. Ouais. Non, il faut que je fasse gaffe à ma barre d'énergie, je suis en train de mourir d'épuisement, là. Oui. En début de semaine, ouais, confirme Nash, ouais. Oh, pas mal le cycle éclair de le point. C'est pas le même cycle éclair qu'il y a par défaut dans Twitch. Bien vu. Oui, donc je me répète, n'hésitez pas à mettre un nez dans la boutique en faisant point d'exclamation boutique dans le chat. J'ai mis à jour les compiles, vous pouvez y accéder et les télécharger si le cœur vous en dit. Oh la vache. Oh merde. Oh la vache, c'est pas possible. Attends, je sais même plus. Mais oui, non, c'est notre parcelle à nous, là, je suis chez moi là. J'ai récupéré un tout petit peu de bois, pas beaucoup, mais bon. Merde. Oui, c'est vrai je suis que... au bord de l'épuisement. Voilà. Ah, j'ai comme un hôtel. Attends, c'est quoi ça? J'ai comme un hôtel, moi. Tiens, je vais t'éteindre. Quoi? J'ai cliqué sur un hôtel au bord de notre terrain, là, à l'angle... supérieure gauche, on va dire, et j'ai lu un message sur l'hôtel. Le sage attend mon retour à l'aube de ta troisième année, signé ton grand-père. Oui, c'est ton grand-père défunt. Oui. Ok. Puisque je sais plus ce qu'on peut faire avec. Avec le grand-père défunt. Avec l'hôtel. Voilà. Waouh, ce jeu est plein de mystères. Mais il est... Ouais. T'en finis jamais de faire le tour, quoi, hein, du jeu. Bon, j'ai 52 bois. Youpi. Ça va être la naissance d'un deuxième coffre. Rien à péter. Je veux de la richesse et un entrepôt. Mais pas celui de l'entreprise à la CON. Oh, mon chat qui renifle mon coffre. Comment ça va, princesse? Comment qu'elle va, ma grande? Elle fait dodo devant le coffre. Ou elle est en PLS? Non, sa gamelle d'eau est pleine. Elle n'est pas en PLS. Elle se dandine.
Eh bah, il y en a qui ont la belle vie. Hop, je t'ai ramené du bois aussi. Oh, t'es adorable, merci. Ah bah voilà. On va chanter du pow-wow. Ma vouloir est très chère. Daddy, 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 oui. Là aussi, le coffre, je vais le mettre en rouge. Red, I am red. Stylé. Alors, oh, un gland t'as trouvé. Oh la vache! Faire pousser un graine d'érable. Putain, mais j'ai. Ouais, je prends goût au jeu. Ouais, il est beau, il a l'air complet, il est bien. Le produit Et phare du ouais, Joja Corporation des plus déchets. complet quoi. Du Joja Cola. Ah oui. On a arrosé les plantes, je sais plus. Oui, on s'est occupé. Oh merci, t'es une chef. Oh, 3 géodes. Putain, là, je me suis même pas rendu compte que j'ai récolté 3 géodes. Ah, on a 146 de bois. Punaise, on peut faire presque 3 autres coffres. On va peut-être se calmer et réserver le bois à autre chose maintenant, mais. Oh la vache. Ouais, je veux planter les graines mystères. Allez hop. Merde, je les ai pas Ouais, tu arrosées. peux, ouais. Attends. Arrosoir qui est là-bas. Vais t'arroser la parcelle en avance. Ah ouais, merde, non, j'ai plus d'énergie, je vais crever. Non, Je vais oui, moi crever, aussi tant j'en pis, ai faut que plus, j'aille j'ai me crevé coucher. aussi, mais. Ah, le surmenage Et me rend puis. faible. M'en fous, j'ai Ouais. arrosé mes graines. Il est bientôt minuit, vite. Et là, t'entends. Arte, c'est la nuit. Voilà, ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé. Bah, et aux Je suis dernières désolée. nouvelles. Avec notre retrait programmé de la redevance, il y a l'Allemagne qui nous a fait la gueule en disant Arte, si vous cofinancez pas la Oh. chaîne, nous on la condamne de notre côté et on la ferme côté allemand. Oh Dur. putain. C'est pas comme si c'était le symbole entre Schröder et Chirac, l'alliance et l'amitié franco-allemande, voilà, Ouais, mais après-guerre. voilà, ouais. Donc on voit les choses qui se délitent, sympa. Alors, Nash qui dit, ouais, je te confirme, c'est un bon jeu, et puis relaxant. Ah, toi aussi, Nash, t'as une expérience sur ce jeu? Je découvre totalement, hein. Je connais de réputation comme étant vachement poétique, vachement bien. Là, je découvre premier jour de jeu. Hein. Moi, j'apprécie. J'en profite pour consulter mes mails. Oui, mais t'as bien raison. T'as bien raison. Ouverture du Alors. service de correction en ligne de la déclaration des revenus Merci. 2021. Ah oui, tu me fais penser. Oui, j'ai pas. J'en ai la semaine prochaine mon coup de mes revenus, machin, la déclaration des impôts. Pareil, j'ai le truc d'Amélie qui est tombé à la fin du printemps. Vous avez votre compte valable 6 semaines. À mon avis, j'ai passé le délai, j'ai toujours pas regardé. Ça me fait penser en plus qu'il faut que je mette à jour ma carte vitale, moi. Tu vois, tu fais bien d'en parler parce que j'étais en mode ah oh, merde, Ouais. ouais. En plus, surtout que je suis allée à la pharmacie hier avec Morbeau, j'ai pas pensé à la mettre à jour, mais c'est pas grave. Non, moi c'est plus grand, il faut faire que j'appelle la semaine prochaine. Moi c'est ma carte d'identité qui est plus à jour. Ah oui, Ouais, là. c'est plus chiant. Après, sans indiscrétion, Oui. alors attends. Maintenant, je crois que selon la date, enfin selon quand elle a été délivrée, ta carte d'identité, maintenant, elle est plus valable 10 ans, elle est valable 15 ans, je crois. 5 ans de plus, en fait. Ouais, c'est cool, mais alors à vérifier, mais j'ai gardé en Je tête suis que là. ma carte est vieille de plus de 15 ans. Ah ouais, non, ouais, là, ouais. Voilà. Donc, oui, bah, la question se pose pas. Journée ensoleillée demain, ok. Oui, Nash qui nous dit, j'y avais joué longtemps, mais durant l'année 2017. Ah Ah, trop cool. ouais. Depuis, je n'ai pas remis les mains. Il est si vieux que ça, ce jeu? Je crois qu'il était plus récent. Depuis, j'ai pas remis les mains dedans, donc beaucoup de choses sont nouvelles pour moi, notamment la coop. Ah, par rapport aux mises à jour, ouais. Ah, j'ai reçu du courrier. Ok, alors Je vous je laisse, vais je dois arroser les cultures et je vais aller voir Robin. aller installer OBS. Non, sérieux, cousin? Ah! Bah, bonne fin de partie. Oui, merci. Merci, à plus, cousin. Plus, bisous.
en inter installé OBS. Ouais, non, Ivan, cousin, Ivan. Je viens de comprendre la vanne. Bref, merci cousin, bisous, bonne inter. Bref, c'est Robin, me dit la lettre. Je sais qu'il y a beaucoup de pierres éparpillées autour de ta ferme. Si tu en as trop, je peux éventuellement te construire un puits. Tu peux disposer des puits tout autour de ta ferme, c'est pratique pour remplir ton arrosoir, tu m'étonnes. Alors passe à ma boutique avec 75 pierres et 1000 balles si tu décides à franchir le pas, Robin. Elle a le sens des affaires, elle, au moins. Alors, arroser. Bah, je vais faire un tour chez... J'ai tout arrosé. Ah non, mais c'est désolé, incroyable. T'étais en train de bouquiner ton courrier, du coup j'ai arrosé, j'ai pas perdu de temps. Merci. Et je vais aller voir Robin, justement, pour... pouvoir essayer de voir ce qu'il faut pour pouvoir construire une extension afin d'obtenir une cuisine. Comme ça, on pourra faire des recettes. Oh. Quand tu as plus d'énergie, bah, tu pourras te garder un ou deux places sous le coude. Et, okay. Et ça sera bien, bien pratique, je pense. Alors attends, il y a Princesse qui a soif et les plats de sa gamelle qui est vide. Je prends l'arrosoir, j'espère que je peux remplir sa gamelle. Ah oui, j'ai arrosé sa gamelle. Bon bah voilà, elle a de l'eau, princesse. Good. Bon bah elle va passer une bonne journée, la princesse. Robin. Alors. Ah. Ah ouais, ouais, c'est... Ouais, okay, non, ouais. C'est pour améliorer ma cabane à moi, en fait. Donc, pas à toi de voir. Est-ce que t'as envie d'installer ta cuisine, toi, chez toi, ou dans ma cabane? Je te laisse choisir, je suis neutre, j'arrive pas à m'imaginer la... D'accord, mais attends. Mais je vais... Attends, je suis en train de prendre conscience des proportions. Ah non, on a tous la même cabane en gabarit, mais moi j'ai une extension pour le bois, d'accord. J'ai une extension bois de chauffage ou de construction, d'accord. Alors je comprenais plus là. Ouais mais non, je comprends pas... Merde, je me trompe. Je me trompe d'outil. Mais c'est vrai que jouer à la manette, c'est très agréable. Eh, pourquoi j'ai pas toute mon énergie, moi? J'ai mal à la journée, j'ai de l'énergie, j'ai en moi. Bah non, je peux pas, je comprends pas, en fait, là. C'est quoi le délire? Oh merde, j'ai mal à la journée crevée. J'ai pas récupéré de ma journée précédente, c'est dur. Putain, va le malus, toi. Bon, bah ouais, je vois pas comment que je peux faire. Bon, ben, je sais pas. Je ne sais pas comment qu'on fait finalement pour construire une cuisine, bah c'est pas grave. Ouais, on verra plus tard. Je piche pas. Moi je vais aller flâner dans le village. Attends, mais normalement toi t'as déjà une cuisine en plus chez toi. Si je ne m'abuse. Attends, je vais retourner chez moi, je vais vérifier. Est-ce que j'ai une cuisine? Non, pas du tout. J'ai un tapis, un lit, une cheminée, une table avec un bol, ouais, une chaise, une ouais, télé bah avec un meuble. Je pense que l'extension, c'est pour toi, en fait. Ah. J'ai réussi à t'obtenir de quoi... Faut que t'ailles voir Robin, en fait, pour qu'elle te construise une cuisine. Ah. Par les matériaux qu'il faut. Je pense que ça doit être ça, ouais. Ouais, ouais, j'irai voir la charpentière un autre jour. Là, attends, on est dimanche. Oui, merde, oui. C'est ouais, l'anniversaire non, du maire. Pas... Attends, c'est l'anniversaire du maire, on est dimanche. Oh, j'ai pas de cadeau, t'as une idée cadeau? J'ai des pissenlits. Elle est bonne celle-là. Oh, ah bah, je suis sûr qu'il y a de quoi dans le coffre. Je suis sûr qu'il y a des trucs. Putain la vache, on a 1000 colites dans le village. Putain le mec. Attends. Oh, faut aller chercher un cadeau puis que je lui offre au pauvre maire là. Il m'a accueilli à bras ouverts. Merde, je connais pas cet endroit. Au secours, je veux le magasin, je veux pas aller dans les pierres tombales ou le mémorial de je sais pas quoi. Oh, il y a une grand-mère. J'aime bien son chignon tout blanc. Wouah, c'est quoi cette bâtisse? Wouah, il y a une bagnole. Mais attends, au secours, je suis perdu. La carte. Attends, je veux aller... Mais non, je veux aller Mais je suis pas loin. Le saloon. Attends, il est où le magasin de pierre? Pardon. Ah, il est là. C'est beaucoup plus à l'est, en fait. Faut que tu traverses un pont et après... J'ai lu la carte.
Comment dire, faut que tu passes devant, devant chez Pierre, tu vas toujours tout droit. Donc comme je dis, tu passes un pont et après c'est vers le bas en fait. Merci. Un peu en bas. Là. Voilà. Je trouve que la carte elle est vraiment pas ouf. Hein. Je persiste à dire que c'est pas génial. Qu'est-ce que je peux lui offrir au maire? C'est un peu emmerdant. Tiens, je vais lui offrir des bulbes de tulipes. Allez. Bah voilà. On fera des tulipes. C'est ça. Du jardinage, papy. Alors, il est où? Merde, il s'est barré. Il est où? Que je cours après. Ah, il est où, monsieur le maire? Je vais lui offrir un truc, moi. Son anniversaire. Tu lui offres un chèque au maire, oui. ou pire, oui. Nash. Mais non, mais je l'ai vu il y a pas longtemps, il s'est barré où? Je vais pas le courser dans toute la ville, là. J'ai pas envie de jouer à la carte au trésor, attends. Ah, Pierre, ouais, des fois, pour trouver des habitants, c'est vraiment très chiant. Hein. Moi-même, je galère. Hein. Oh. Que des fois ils sont pas toujours chez eux, des fois ils sont en vadrouille, je sais pas où. J'ai le cadeau, j'avais pas le cadeau, je le vois, j'ai le cadeau, je le vois plus. Merde. Attends, je suis proche de chez le maire si je me souviens de la carte, il a un manoir pas loin. You, t'es où ma couille? Que je t'offre ton cadeau. Ah! Panique. Alors je suis là. Manoir du maire, je suis pas loin. Faut que je passe le petit pont. Ou alors je lui fous dans la boîte aux lettres et puis il se démerde, je laisse un mot et puis basta quoi. Oh, il y a un bureau d'archéologie. Ok. Attends. Mais c'est quoi cet établi en plein air? C'est fermé, ouvert de 16h à 17h. Mais je sais pas où je suis là, les gars. Mais c'est quoi ce chariot de mine? Attends, il y en a qui jouent à Minecraft. Rejoins-nous, Prosper, marché Joja. Non. Olive a accompli le haut fait pêcheur. Dans la cabane pêcheur. Eh merde, je sais pas où il est le maire, il est 18h40, je suis dans la mouise. Alors. Il est où le maire, il est où? Mais j'aurais rien foutu de ma journée à parcourir après le maire que j'ai pas trouvé, mais c'est nul. Au secours. Pareil, je sais pas où il est, attends. C'est chez lui, mais c'est aujourd'hui qu'il son là. Anniversaire. Ah, mais il est chez lui. Il est rentré chez lui. Alors, c'est quoi? C'est son manoir? Oui. Manoir. Allez, je te rejoins. Allez, go. Ah, tu creuses tranquille voilà. Dans Minecraft, Nash. Je lui ai offert des pissenlits. Il avait l'air moyennement, convaincu, mais c'est pas grave, je vais vous faire un truc. Je suis très fier de moi. Attends. T'as traversé le pont, il doit être là. Putain, pour mémoriser les lignes. Contre, pour lui offrir un truc, il faut que tu le tiennes dans les mains et qu'ensuite tu ailles lui parler. Voilà. Mais attends, sinon, mais... ça marche pas. Attends, t'es encore chez lui? Non, je suis ressorti pêcher. Oh merde, oui non mais j'ai du mal à me repérer dans la carte, je suis allé trop à l'est moi. Alors attends, où est-ce que t'es? Attends, c'est pas ça? Ah bah voilà. C'est ça? Ah là, c'est bon, ouais. Ah, alors attends, je tiens le truc dans les mains. Bonsoir. Salut ma couille. Oh, c'est pour mon anniversaire, merci. Ouais. Je suis le maire, non mais je sais. Bon, bah, je lui ai offert mes bulbes de tulipes. Voilà. Eh bah, dis donc, la vache, la quête du jour, réussir à lui mettre le grappin dessus et offrir un truc. Ah là là, énorme. Bon, bah, voilà. Bon, en même temps, j'étais épuisé de ma journée précédente. Avec un peu de chance, demain, je serai en pleine forme. Oh la vache, vas-y, mémorise le patelin, toi. Ouh. Dur. Oui, petite parenthèse à dire à Nash que je sais pas à quelle heure j'arrête mon direct aujourd'hui, mais peut-être qu'on fera d'ailleurs les bibis tout à l'heure si on est nombreux, je sais pas. J'ai mes hypothèses. Mais hors antenne, je pense que je jouerai un peu soir après mon dîner jusqu'à 23h max à Minecraft.
Je me connecterai au serveur et puis ça me défoulera de ma journée. Oh, j'ai une jeune. Alors attends, oh. Il est 22h20, on a arrosé les plantes. Elle est où, princesse? Elle a sa gamelle de plaine. Oh, ouais, ouais, pardon. Je sais pas, justement, c'est symbolique. Je retourne chez moi. Attendez, j'allume la cheminée. Alors, la méthode demain. Bulletin météo. Vous regardez prout-prout. Le temps sera clair et ensoleillé toute la journée. Ok. Bon, voilà. Bol décoratif. Pardon. Alors, le menu. J'ai un en extraction minière et un en agriculture. Bah, c'est bien. Ah oui, il y a la jauge de combat. Dur. Alors, Lewis, c'est quoi mon statut? Le cadeau favori de Lewis. C'est quoi le cadeau favori de Lewis? Il me le dit pas, ce con. Ah ouais, faut faire gaffe à l'heure. Hop. Oh, le chat, il dort sur mon lit. Alors, mignon. Cadeau pas apprécié. Les bulbes de tulipes. Merde! Mon truc au pif, il a pas aimé. Oh, chiotte. Eh ben, heureusement que j'avais pas l'intention de le demander en mariage. Bon, allez, oui, on allait. Dodo, t'as raison, oh, j'éteins la cheminée. Dodo, go. Ah, j'en profite pour me prendre un bout de brioche, là, j'ai trop faim. Ah, Nash me fait plaisir. Il me dit, bah, je serai très certainement connecté. J'ai beaucoup de boulot qui m'attend. Et je vais profiter du week-end pour avancer un max dans Minecraft. Cool. Ah, bah, à tout à l'heure, Nash, dans Minecraft. Ah, ça me fait plaisir. Alors, pêche. Oh, bien joué, Olive. Alors, jour 8, printemps, année. Oui. Oh, j'espère que ta collection, pardon, t'as pas trahi. Ça y est, c'est bon, sauvegardé. Il y a eu un petit coup de mou, mais c'est passé. Quoi? La, quoi, les mauvaises herbes se propagent à cause des dégâts de votre ferme? Oui, il faut entretenir le terrain, des fois. Ah oui, mais le terrain, il est énorme. Ouais. Non, mais après, c'est par rapport aux cultures, surtout. Bon appétit. Merci. Ça s'entend un peu. Alors, j'avais faim. J'ai plus beaucoup de brioche. De j'ai plus grand chose à manger. T'as beaucoup de points de vie réel. Oh là là, ma pauvre Olive. Bah oui. Ah oui, mais attention, on rentre dans le week-end du 15 août. Si tu veux faire tes courses, moi, mes courses, je les faisais hier, moi. Je suis tranquille maintenant. Bah après, j'ai de quoi manger, on va dire, pour les repas. Après, pour les 4 heures, tout ça, si, j'ai des yaourts, mais bon. Pff. Oui, j'allais dire dur, tu vas me faire. J'en avais pas trop envie. Ah oui. Mais j'ai de quoi manger, hein. j'ai de quoi. Bon, ça, tu me rassures. Ah. Non, c'est vrai que les temps sont durs, hein. Ça déconne zéro. Bah après, au pire, voilà, il y a un petit carrefour pas très loin de chez moi. Ah, mais il y a une grotte. Pas très grave. Ils sont ouverts le dimanche matin en plus. Ah oui, ouais. Bon, c'est pas. Moi j'y vais pas le dimanche matin par principe, sauf si vraiment j'ai besoin d'un truc, mais bon. Ah merde, voilà. Nash vient de prendre conscience dans mon chat, il nous l'avoue, que lundi c'est férié et que son frigo est vide. Ah oui, mauvais calcul, ouais. Nash. Bon, allez, je vais aller ouvrir les géodes. Ah oui, t'as raison, vas-y, oui, prends ce qu'il y a dans le coffre. J'ai des trucs mûches, bidule, chouette là, voilà, bref, t'as compris. Wouah, princesse, elle a déjà tout bu. Oh cool, j'ai trouvé des graines. Il faut remplir la gamelle une fois par jour. Oui, non, mais voilà, c'est une soifarde, princesse. Attends, je prends l'arrosoir et je lui donne le bleu. Elle picole, princesse. Ah, c'est l'amour fou, elle nous a fait un petit cœur. Mince, j'ai arrosé Minette au lieu d'arroser. Enfin, princesse au lieu d'arroser le. Oh merde! Oh là là! La fausse manip, c'est pas passé loin. Ça m'est arrivé souvent. D'arroser le chat. Ouais. Excellent! Oh mon dieu! Ça va, mon chat s'est jamais vexé pour autant. Donc... Bon, c'est cool.
Alors, transformer les géodes. Attends, les graines space. Vraiment, ça coûte un peu de thunes. Mais bon. Putain, je viens de planter des graines mystères. J'avais deux graines, allez hop. Pierre, du granit, du charbon. Ah, mais c'est génial, dès le matin, tu te lèves, t'arroses quoi. Bien. Ah, t'es une chef. Mais c'est vrai que. Tonnerre. J'ai fait pareil dans la vraie vie, je repense au potager de mon copain dans la vie réelle. C'est, j'y allais tôt à la fraîche le matin, parce que sinon t'es mort avec le temps qu'il fait en ce moment. Non, je reconnais que c'est un art de vivre. Bon, alors quoi en oui, fait, ouais, nage huile, ouais, traîne pas trop pour ouais. faire tes courses. J'ai zappé complet, j'étais tout content d'avoir 3 jours de week-end, mais les magasins sont fermés. Bah oui. Oui, c'est vrai qu'il est, il est pas encore 17h. Alors, je sais pas si proche de chez toi il y a un truc Nash, mais vas-y quoi. Fais-toi un petit panier de quoi tenir 72 heures quoi. Et puis là, tu vas vraiment profiter ton week-end. C'est pas grave, on se retrouvera tout à l'heure sous Minecraft. Si tu trouves quelques graines, il s'agit que tu gagnes peut-être des points de chaîne. Quoi ? Attends, pause. Si tu trouves de quelques graines, il s'agit que tu gagneras peut-être des points de chaîne. Ok. Ah. Voilà. J'en dirais pas plus. Oh, encore du charbon. Du charbon. Oh yeah. Ce sera bien pour le feu de cheminée. Je faisais référence à ton tableau mystère, j'ai bidé. Quelques graines et tu... Je me souviens même plus du tableau en cours, excuse-moi Nash, mais... Merci de faire référence au tableau mystère, mais je m'en souviens même plus celui qui est en cours. C'est pour te dire. Oui d'ailleurs, tu fais bien d'en parler du tableau mystère, c'est-à-dire que c'est malheureux, mais... J'ai pas... Dans tout ce que j'ai fait pour la chaîne cette semaine, j'ai pas progressé dans les tableaux mystères, j'ai pas le temps. Ça reviendra, hein. Ça va, puis j'en ai encore sous le pied. Olive a fait don de granit au musée. Ah ouais ? Oui. Et dame... Quand tu récupères certains artefacts ou des pierres, enfin des minéraux, des trucs comme ça, tu peux en faire don au musée et t'apprends plein de trucs en fait. Oh. Voilà, bon bah c'est bon. Hop, bah, voilà. Bon, En fait, tu parlais des graines mystères. Bref, c'est pas grave. Excuse-moi, même moi j'ai pas. Je décroche, j'oublie même mes propres trucs, c'est pour te dire. Mais oui, ne t'en fais pas, Nash. Non, mais j'en viens sérieusement. J'ai gagné de la thune. Vie réelle. Voilà, n'hésite pas, si t'as une super près de chez toi, fonce-y, Nash. Que tu te retrouves pas coincé, sans déconner. Bon, tu me diras demain, on est samedi, je crois, ça va encore, mais. C'est vrai que dimanche, lundi, ça va être chaud, quoi. Ouais. Non, moi, j'ai la chance. Là, j'ai le frigo bien garni. Je suis tranquille pour 15 jours. Hein. Facile. Non, là, il faut pas que je me fasse entuber. C'est les dates de péremption. Oh ! J'ai chassé un crapaud, un bactracien du buisson. Ah ! Comment t'as fait ? Bah, écoute, tu verras dans mon retour image, il s'est barré. Je l'ai chassé sans vouloir de mon déblaiement de jardin, quoi. D'accord. Pas souvenir que ça me soit arrivé ou alors... Enfin, ouais, je me souviens pas, je pense. Ah non, l'effet de surprise est total, quoi. Putain, je pêche que des algues. Ah. Punaise, fichtre, diantre. Ah, mais t'inquiète pas, j'ai toujours des pattes de secours. J'irai demain matin. Ok. Ouais, il y a pas si longtemps que ça. Ça fait longtemps que je m'étais pas mangé des pâtes. Alors moi, les pâtes, je les prends au blé complet. Les marrons. Parce qu'elles sont plus nutritives. Et avec lardon et crème fraîche. Ah, j'ai pas goûté mon plaisir. Ah, ça faisait longtemps, là. Ça me manquait, là. J'attendais qu'il faisait un petit peu moins chaud. J'attendais le jour qu'il fasse moins chaud. Et je me suis éclaté la panse. Là, j'étais bien après.
D'ailleurs, c'est bête à dire, mais c'est vrai que le lendemain, j'ai quasiment rien mangé. J'ai picoré un peu de salade et ça m'a suffi, quoi. Trop bien, quoi. J'ai bien calculé mon coup. Avec la chaleur, enfin, le peu de chaleur qu'il fait quand, tu sais, quand température baisse, ouais. Suffit que t'aies bien mangé la veille. Ouais. Bah. Bref, voilà, je m'exprime très mal, hein, mais. Non, mais on t'a compris, y a pas de soucis. Mais, ah bah tiens, tu vois, ouais, j'ai récolté deux géodes encore que j'ai foutu au coffre, t'en feras ce que tu voudras plus tard. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire que moi, ce soir, je sais par exemple, il faut que je mange les concombres. J'ai acheté une boîte de concombres en salade déjà tranchée, frais, et j'ai un fond de crème fraîche à finir, donc ça, un petit peu d'épices, et ça va être mon part soir. Ce soir, j'ai une croque de concombres frais. Ah ouais, tranquille. Bah, 3 euros la boîte... relativement bien fourni, voilà, tranquille quoi. Ah, nickel, ouais. Bah, en même temps, je me dis que c'est. Voilà, il y a quelqu'un qui a lavé, râpé le concombre et mis en tranche. Au moins, je sais que dans le prix, je paye un peu le salaire de quelqu'un. Donc, je lui dis, c'est pas plus mal. Parce que sinon, par défaut, je me l'achète beau, le concombre, hein, je me le fais moi. Mais je me dis, bon, là, je paye un peu le salaire de quelqu'un. Il faut y penser un peu aussi, quoi. Merde, je suis quasiment épuisé. Mais non, mais j'ai rien fait. Oh, je suis déjà dans le rouge. Oh. Ouais, je suis encore dans le vert. Oh non, mais j'ai rien fait, je trouve. Le temps passe méga vite, hein, non, je... Ouais. Non, mais t'aimerais tout faire en une journée, tu... Bah non, tu peux pas. Il faut vraiment s'organiser, quoi. Elle est où, princesse? Je profite de ma fin de journée. Oh, je crois que princesse est rentrée à la maison. Sûrement, oui. Ah non, non, elle est pas là. Bah, attends, je vais allumer le feu de cheminée. Soit elle est chez toi, soit elle est chez moi, ou elle est partie ailleurs, je sais pas. Ouais, bah, j'allume le feu de cheminée, à mon avis, ça va l'attirer. Il fait bon ici. Ouh, princesse, t'es où? Oh, pour une fois que j'ai un peu de temps pour en fin de journée, pour... J'aurais pu la câliner, mais non, elle s'est cassée. Bon, bah, elle est indépendante, la grande. Ah, c'est cohérent, on voit la cheminée qui y fume. Trop bien. J'aime bien quand les jeux sont cohérents comme ça. Ouah, il y en a des choses. Oh la vache, oui, les pierres. Ouais, non, mais comme elle dit, la charpentière, là, je vais peut-être lui acheter un puits. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. On a presque 4000 de fric. C'était combien? C'était 1000, je crois. Ah, je dirais pas non. Est-ce qu'on se fasse un bon petit puits, je sais pas, à l'angle? Ah ouais, y a pas de souffle. Ouais. De toute façon, il va être vite rentabilisé, là. Alors, Olive, célibataire, je sais pas quoi. Marnie, je sais pas quoi. Marnie, je la trouve mimi dans le dessin, là, avec sa belle couette. Elle est stylée. Ah, je connais pas assez. Il faut que je discute avec les gens pour connaître leur goût. Oui, ouais. Je pose une question par rapport au jeu. Est-ce qu'ils ont pensé aux unions homosexuelles? Il me semble, je suis pas sûr. C'est bien. Il me semble. Que comme l'avait enseigné mon papa lorsqu'il fit mon éducation, l'amour n'a point de sexe. Et ouais. De genre. Ouais. C'est qui ce mec? Oui, pardon, hein, parce que. Oui, pardon. Le genre est souvent, distinct du sexe, voilà. Oui, non, j'arrive aussi. Mais par contre, je viens de voir la... C'était le petit message LGBTQ+. Ah, c'est bon ça, il me semble bien, nous dit Nash. Ah bah, j'ai retrouvé Princesse. Ah. Tu devineras jamais où elle s'est mise. J'ai bien fait d'allumer le feu de cheminée. Elle dort dans mon plumard. Enfin, sûr. Ah bah voilà, bah comme moi hier soir. Le jeu est logique. Ah, je pensais pas avoir autant d'effets. Eh ben, elle est heureuse, elle. Ah, là, 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 là. Ah, je l'ai bien baptisée, princesse. Y a pas de doute. Mais c'est clair, hein. J'ai vu juste. Ah, la canaillute. Mais enfin, bon, elle nous le rend bien. Oui, attends, que je révise un peu la carte. C'est quoi ce truc? C'est un aérodrome? C'est trop bizarre. Puis à un moment, j'ai vu un chariot de mine aller sur le côté. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec...
Ah bah non, bah oui, guide des aventuriers, il y a la J'ai réussi à débloquer ça dans ma partie sur Switch, mais après je sais plus ce qu'on peut faire avec. J'ai un trou de mémoire, c'est terrible. Attends. Ah oui, mais La là, il va série. être tard là. Me faire avoir. Siri, maison de Robin, Démétrius, Sébastien et Maru. Ok. Je vais me Ah. faire avoir. Putain, et puis il faudrait que j'essaie de m'occuper du centre communautaire. Par contre, moi je suis en PLS. Hein. Alors attends, la météo dit quoi pour demain? Il est minuit. Aïe aïe aïe. Ouais. Le temps sera partiellement nuageux avec une légère brise. Attention au pollen. Oh bah, j'espère ne pas être Ah. allergique. Attends, je vais mettre mes poiscailles à vendre. Hop, et voilà. Alors, Allez il y au a une dodo. perte d'audience. Enfin, je m'en fous, hein, mais c'est pour dire. La perte d'audience, tout à l'heure, je me félicitais, vous étiez 8 à me regarder, et puis là, vous êtes 3. Je regarde mon compteur, 3 spectateurs. Faut les Pas faire grave, c'est très fuir. important, on s'éclate. Hein. Non, en fait, je crois que mon public a été pris de panique. Ils m'ont entendu, ils se dire, merde, c'est vrai, lundi c'est férié, et mon frigo aussi est vide. Et en fait, tout le monde s'est Oui, voilà. cassé. Ils sont tous partis faire les courses, en fait. C'est ça. Et, oh, Après, il ils est ont beau raison, ton hein. poisson. Je vois l'icône d'un bon poisson, dire un superbe saumon. Waouh, trop Ah. beau. C'est stylé. Mais à qui est ce coq? Oh! Je sais pas du tout. Normalement, on n'a pas de coq, nous. Chute de pétales de nénuphar de... Ouais. Ouais, t'arroses aussi, je sais pas. Bah non, tu peux t'en occuper si tu veux. Ok, je prends l'arrosage aujourd'hui. Voilà, j'ai rempli la gamelle de minette. Ah bah, bien joué. Attends, il y a des végétaux trop... J'ai une suspicion par rapport aux végétaux. Oui, ça c'est des haricots, ouais, génial, qui poussent avec le bâton, c'est très bien. Non mais je vais aller voir la charpentière. Son offre à 1000 des pierres et un puits, je dis oui. Ouais. Je vais aller la voir. J'achète. Ta 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 ta. Putain, mais dans tout le village, il y a une chute de pétaux de pétales, pardon. De pétaux. De pétales de nénuphar, n'importe quoi, de Un magnolia, voilà. pétale, des pétaux, C'est voilà. ça. Et moi, mon cerveau est pété. Ah Ouais, yeah. je le dis. Oh, écoute. Oh, les oiseaux! Stylés, ils étaient posés. Je les ai fait fuir accidentellement. C'est toi, Nash? Non, t'es Malou. Ah, je te connais pas, toi. Est-ce que tu connais ma mère? C'est la charpentière du village. Ah, bah, j'ai trouvé la fille! Ouais, oh la vache, les gens se cassent vite, ils font la causette, mais ils se cassent à une vitesse. Ouais, je vais aller voir ta maman. Oh, attends, je cueille des jonquilles. Je suis pas sorti du village là. Ah non. Ah bah non, non, j'ai instinctivement j'ai trouvé le bon endroit, je crois. Merde, il y a personne au magasin. Ouais, c'est stylé ici, mais il y a un labo. Ouais, des fois il se casse le pierre, ouais, il est chiant pour. Attends, non, pas pierre, les bûcherons. Il y Ah, le a. bûcheron! Ah ouais, ah bah là-bas! Après, il faut regarder les horaires, il y a une pancarte juste à côté, je sais plus à quelle heure il ouvre. À 9h40. 10 h peut-être. Alors, si t'as besoin de matériaux de plomb, ma boutique, il y a l'endroit qu'il te faut. Mais je te suis, Robin. Mais pourquoi tu te casses de ta boutique, Robin? Merde, je vais t'acheter ton puits. Oui, des fois ils se barrent, ils sont vraiment pénibles. Elle est hilarde. Ouais, puis ta ferme soutient l'économie locale. Et puis elle me fait un grand sourire, elle se casse. Ça, ils sont bien de ta gueule en plus, quoi. Waouh, Ils sont pas Robin. waouh, waouh. Attends, ça, je peux le bûcheronner, j'ai le droit.
Non, je crois que je m'épuise. Tant pis. Alors, Robin. Merci, ça pourrait me servir. Bon, bah, sans le vouloir, mais c'est pas plus mal. J'ai un peu dragué Robin. Enfin, elle n'est pas déclarée célibataire, alors attention. Oui, elle est mariée, ouais. C'est pas comme ça la vie de jeune fille, ouais. Je sais plus comment elle s'appelle, monsieur. Bah, j'ai croisé la Malou tout à l'heure. Elle était toute mémie. La pauvre Marou, oh, je vais lui faire Malou. When I meet your mother. Elle va rien comprendre. Ah, là, chez Pierre. Oh, c'est qui la rockstar là? Abigail. Je suis pas de bonne humeur en ce moment. Ok. De manière assez diplomate, elle m'a dit va te faire, c'est pas mon jour. À vendre. Amélioration de sac à dos, 24 emplacements, acheté à 2000 et oh, je serais tenté d'acheter à 2000, on a 4000. Et comme elle m'a mis un vent, j'achèterai son puits plus tard. J'achète l'amélioration de sac à dos. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Oui, ça c'est... Oui, tu valides. Je ne pouvais que te le conseiller, toi. Ah, il est tout sourire, Lewis. Il dit, je fais tous mes achats ici. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, Lewis, ouais, tu fais tes achats, t'es content. Mais voilà, si tu veux des graines de tulipes, hein, c'est 10 balles ici. Et là, lol. Voilà, bon, hein, lol, c'est ça. Attends, c'est l'infirmerie, ça. Tu viens voir le médecin? Non. Non, mais je suis bien, mais vous êtes malade? Harvey, n'hésite pas à passer à Kix, tu te sens malade. Non, ça va, Dieu merci. Non, mais non, je suis pas malade, arrêtez. Non, mais je me barre d'ici. J'ai l'impression que je vais me faire escroquer. Attends, j'ai vu un truc courir vers la ferme, mais j'ai pas compris c'était quoi. C'était un animal domestique? Je présume que les autres habitants ont leurs propres animaux domestiques, non? J'ai pas l'impression, je sais plus. Ah ouais, je serais le seul à avoir un animal domestique. Enfin, nous serions les seuls. J'en ai jamais vu un seul, en tout cas. Enfin, du moins, j'ai jamais fait attention. Ce village cache un terrible secret. Ils bouffent leurs animaux de compagnie. Ah, la vache, j'imagine, quelle horreur. Mais cette base en béton... Tu sais, tu vois un habitant, un villageois, là, dans la nuit, qui la princesse, avec une hache à la main, ou un truc comme ça. C'est horrible. Mais ouais, mais on a une grotte. On a une petite grotte non hostile, tu le savais? Au nord de chez nous. Il me semble, oui. Oui. Bah, j'y suis. Je vois des racines. Qu'est-ce que je fais? Tu vais pas souvent, d'ailleurs. Il se passe rien. Je suis sûr qu'on peut faire un truc. On va faire une cérémonie occulte dans la grotte. On va monter une secte. Moi, je suis partant. Ça va être trop bien. On sacrifiera pas princesse. Hein. Non. Non, la pauvre. Ouais, non, elle est trop adorable, elle va devenir la mascotte du village, oui. Ouais. Elle est trop chou. Oh! Encore un mélange de graines. Putain, mais j'ai du bol. Énorme. Papapalapa. Ouais, va aller planter les graines. Ouais, j'ai fait pareil, là. Bien joué. Alors, arrosoir. Attends, je vais ranger déjà mon bordel. Et Dieu sait que j'en ai. Ah oui, j'ai déverrouillé la deuxième ligne du sac à dos. Ok, sur les trois, nickel. Oui, bah ça me va très bien. C'est cool. Bon, bah les pierres, je les re-range, hein, puisqu'elle veut pas bosser, la charpentière. Elle ira se faire voir. Elle attendrait qu'on ait le meilleur revenu. On viendra un autre jour. Ah, arrosoir. Je vais me permettre d'acheter le sac à dos aussi parce que j'en ai marre de pas avoir de place dans l'inventaire. Eh ben t'as bien. Voilà. Eh ben on est ruiné, on n'a plus que 280. Mais j'ai fait de la pêche. Ah, c'est bien. J'ai fait de la pêche un petit peu, donc voilà, mais c'est t'inquiète, hein, je vais continuer à. Mais même moi. Engranger un petit peu les revenus de mon côté. Non, puis même moi, je déteste me retrouver sans thunes. Oui. Non, mais j'ai investi. Tout le monde, d'ailleurs. Bah oui, j'ai investi dans les haricots. Ils vont bientôt me le rendre. C'est cool, ça. Bah oui. On va se faire un peu de fric. C'est l'objectif. Hein. Bah oui.
Bon, je suis plein d'énergie, c'est la fin de la journée, je vais peut-être déblayer un peu le jardin quand même. Ah oui, il y a encore plein de trucs à déblayer. Mais cette parcelle, elle est énorme. Waouh, on va en faire des choses. Allez, fin de la journée, je me dépense un peu à la fraîche. Il est 18h. Je déblaye. Alors attends, la houe. Merde, j'ai donné un coup de houe là où il fallait pas. Oups. Oui, bah je suis comme toi, même constat que tout à l'heure, je ne sais pas viser. Oh! Encore des graines mystères! Mais c'est pas croyable! J'ai une chance insolente, je trouve. Waouh! Ouais, voilà. Non, là c'est propre. Les arbres, je les laisse tranquilles pour le moment. Mais punaise. Non, mais attends, mais non, mais c'est propre, hein, sans déconner. Il y a toute une parcelle. T'as bien déblayé, toi aussi, de ton côté. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est propre. J'ai failli faire un anglicisme. Honte à moi. Non, c'est pas grave. Du moment qu'on te comprenne. Oui, non, mais bon, tu me connais, je défends la langue de Molière. J'ai oui, oui, oui. J'ai plaisir à faire la nique aux voisins outre-Atlantique. Mais le pire, c'est qu'eux aussi s'en plaignent d'avoir trop de mots en français. Dont le déjà vu. J'adore quand un anglais ou un américain me dit déjà vu. Oui. Je ne m'en lasse pas. Bah, la scène célèbre en version originale dans Matrix. Hein. Quand il y a le bug du chat et qu'ils comprennent que les agents sont en train de recoder les lieux à tout murer. Trinity, it's strange. It's a déjà vu, the cat. Ah oui, le coup du chat. Le fameux chat. Yeah. It's a déjà vu. Ça y est, j'ai dans la tête. Ça, bon, je me la pète un peu, mais j'ai fait un peu les bibis il y a quelques mois encore sur deux chaînes américaines. Et j'adore me faire saluer par les demoiselles américaines qui disent « Hello, hi, le sage ». J'adore. Ah, ça fait plaisir. Avec un petit accent américain. Hi, le sage. Moi, j'imagine un américain qui essaie de prononcer Olive qui tue, quoi. Olive qui tue, Olive qui tue. Je sais pas. Ça devrait donner ça, je pense, ouais. Bah, je prononce mal, là. Une pensée émue, une exception. Il y a un monsieur que je regardais, je conjugue malheureusement au passé. Puisque c'est un GI, un soldat américain à la retraite. Et il aimait bien geeker. Et il proposait les billes pour avoir un peu de compagnie. Et bah, la dernière fois que je lui ai écrit en disant « Tiens, je te vois plus en ligne », il m'a dit « Bah, je suis malade et c'est bientôt la fin, quoi. » Donc, dur, je lui dis... Oh, merde. Bah ouais, je lui dis « Ma prochaine prière sera pour toi, mon gars. » Do need Dan. Ouais, il arrive en fin... Il est adorable. Merde, je suis épuisé dans le jeu. Ah! Ah, puis j'ai pas pris le bon chemin, merde. Et puis il va être minuit bientôt, là. Oula. Vite, faut que je range le coffre avec Dodo. Non, non, une pensée émue pour Dwayne et Dan, là, qui est... Ouais. Peut-être déjà, malheureusement, voilà, il essaye évidemment d'éviter comme à chacun, mais il est peut-être pas loin d'être sur son lit de mort, quoi, il me l'a fait comprendre. Bah, il était plutôt jeune, hein. Je crois qu'il avait, il était pas loin des 80 balais. Alors, j'ai envie de dire, pour un Américain, oui, c'est bien. Il avait une vie à peu près saine. Merde, tu dors déjà. Bon, bah, les graines, tant pis, je les planterai un autre jour. Oui, non, mais après, t'es pas obligé de te coucher en même temps que moi. Météo avant. Demain, ils disent quoi ? Fais ce que tu as à faire. Hein ? Je me couche parce que, bon, voilà, a priori, j'ai plus grand-chose à faire, donc... Le même temps. Oh, j'ai eu un petit cœur tout mimi de princesse qui faisait son roupillon sur le lit. Moi, c'est fatigué de mon côté. Ah, moi, je pense que je vais être un peu en PLS le matin parce que j'ai bossé, là. J'étais en épuisement. Hein, c'est ouais, quoi ? T'as pêché un bigorneau ? Je vois un bigorneau. J'ai pêché un bigorneau, je sais plus, je me rappelle même plus, tu vois, de ce que j'ai... Bah, il m'annonce un petit coquillage, donc je présume que t'as pêché un bigorneau. Ah oui, je crois que j'avais récupéré des coquillages, ouais. Oh, bien joué.
il est l'heure de se lever. C'est cool, il va pleuvoir demain. Ah, voilà, je peux apprendre des recettes. Ouais. Alors, sauter des lignes. Oui. Ok, c'est cool. C'est bon, ça. Oh putain, il fait chaud. Oh la vache. J'ai quoi? J'ai 27 chez moi. Je commence à cuire, là, déjà. 27, c'est trop. Ah, c'est trop, ouais. Ouais, non, je cuis déjà, moi. Alors, arrosage. Mais j'ai une petite fringale là, je pense que je vais... En vraie vie là, je vais aller me chercher des pains au chocolat, je vais en croquer deux honteusement devant vous, mais j'ai faim. Bah t'as bien raison hein. Ouais, j'ai une petite fringale. Je suis pas gêné avec mon bout de brioche perso. Ouais, t'as bien raison. Ah, j'avais plaisir de m'être acheté une brioche il y a une semaine, mais je vais éviter de trop en manger parce que c'est quand même gras. Et je me dépense pas assez pour... Je veux pas non plus m'encrasser les artères avec du beurre. Et ben voilà, on a arrosé nos quelques plantes, hein. Ça va pas loin. Je vais remplir l'arrosoir. Ah, j'ai réussi à récupérer des cookies en fouillant les poubelles. Oh. C'est énorme. Trop bien. Bah, tu m'étonnes. Si tout le monde mange, je vais y aller aussi alors. Nash, bah oui, on t'influence. Merde, homme. Mais non, je veux pas arroser le coffre. Oh. Bah, je fais la journée là dans le jeu et puis honnêtement, au moment d'aller me coucher, j'irai me chercher en bas les. Dans mon entrée, j'ai mon petit. Ouais, mais de toute façon, non, faut que tu le fasses après. Juste après être allé te coucher, parce que sinon. Oui, bah oui, ta journée est perdue dans le jeu. Bah oui. J'ai bien. Voilà, voilà. Putain, la vache, la vitesse où repousse la mauvaise herbe. Et puis là, c'est de la petite mauvaise herbe, donc en fait, tu récoltes rien. C'est ça, ça va super vite. Ouais, mais c'est limite s'il faut pas laisser la mauvaise herbe pousser. Pour que tu en récoltes des graines parfois. Ah oui, 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 oui. Merde. Ah, je me suis fait le buisson à la hache alors que j'ai une houe, le con, le mec. Hein? Ah! J'hallucinais là, je comprenais plus le message, mais c'est bien, oui. Bah, moi je récolte de la fibre. Oh là là, je pourrais y aller à la faux. C'est vrai qu'il y a tout un champ là. Ah, mais c'est un arbuste. Ok, je viens de déboîter un arbuste qui m'a donné 4 de bois. Allez, à la faux. Ça... Wouah, mais oui, non, mais attends, on a trop de mauvaises herbes, là. Ah, l'étendue, là, je peux te refaire le remake de la petite maison à la prairie. Ah non, mais c'est vrai, il y a tout un flanc de colline, là, il faut que je déboîte tout ça, là. Là, au moins, j'ai rentabilisé la matinée, là, coup de faux, ça bouffe l'énergie, mais punaise, il y avait besoin. Wow, la récolte de la richesse, quoi. J'ai des points fibres partout, là. Putain, même le rocher me donne du charbon, c'est nimp. Wow, la folie. Oh, je vais casser des cailloux. Il y a plein trop de cailloux par ici. Et là, il y a trop de bois. Oh, la hache est sortie. Oui, je récolte. Putain, mais j'ai... Hey, putain, il est midi, mais je suis déjà épuisé, je suis déjà dans le jaune. Oh. Il faut que je dope mon personnage, c'est pas possible, faut qu'il fasse de la muscu, le mec. J'ai envie de dire, on dirait moi dans la vraie vie. Non, mais c'est vrai, c'est cohérent, quoi. Non, mais c'est vrai, j'entrais de mon copain, là, les 2 heures de jardinage avec 1 heure de pompe. J'entrais chez moi, déjà le matin, il faisait chaud, à 10h, 9h, 10h, j'allais à la douche. Hein. Oui, c'est vrai. J'étais mais alors en sueur quoi, il me faut pas grand chose. C'est horrible. Bon, j'étais pas épuisé, mais j'étais déjà trempé. Oh ouais, mais voilà, après c'est ouais, enfin voilà quoi. Bah, je suis pas habitué horrible. À l'exercice, alors le corps il vite stop quoi. Voilà. Surtout sous ces chaleurs.
Oh, mais la jungle a repoussé, mais c'est pas possible. Waouh, on a toute une parcelle déjà d'herbe haute. Ça fait rêver, hein, nous on n'a pas ça en vrai, il fait sec, hein, le sol est devenu, hein. Lumière. Ouais, non, mais ouais, il est complètement cramé, quoi. Mm. Mais je sais plus si je t'ai passé, Olive, j'ai participé à un appel à témoignage dans le journal de France TV Info. Je sais plus si je te l'ai dit. Je savais pas. Non, bah en privé, je te passerai le lien parce que l'article il est beau, mais il fait mal au truc. Ah ouais, quoi. Pas de soucis, ça m'intéresse. Hop là. Ouais, bah j'ai pris des captures d'écran de mon excursion vidéo avec la Mifrobose. J'ai passé au journaliste en fait une photo du plateau, mais une autre année, là où c'était vert. C'était un été normal chaud, mais c'était vert. Oui. Dur. La violence. Merde, je suis épuisé, faut que j'arrête. J'ai ma jauge d'énergie qui clignote là. Je suis en PLS. Non, mais attends, je vais planter quand même mes graines, moi. Ouais. Oui, mais là, je suis obligé de bêcher. Ça y est, il va me dire que je suis épuisé. Mais oui, mais non, mais merdoum. Quand même. Voilà. Les graines. Alors, je range les rochers, les bois, les pierres, machin, les charbons. Je prends le arrosoir et je veux arroser. Voilà, fièrement, mes graines mystères. Putain, j'ai plus d'énergie. Merde, j'ai arrosé le chemin. Pareil dans la vraie vie. Oh! C'est quoi dans le coffre? C'est toi qui m'as ramené un truc, c'est pas possible, Liv. Ah oui, des cookies. Je t'ai ramené des trucs. Des délicieux cookies de la poubelle. Voilà. C'est bon. Oui, c'est ça. Bulletin météo, vous regardez. Alors demain, c'est quoi? Il va pleuvoir toute la journée. Bon, bah comme ça, on n'aura pas à arroser. Attends, il est 16h, je vais un peu au patelin, là. Il est 16h, je vais faire du social. Je me comprends. Ah oui, je profite. Et puis, ouais, vers les 20h, je me poserai peinard. Et j'irai me chercher en vrai mes deux... Hein, voilà. J'ai le... C'est vrai, c'est bizarre, j'ai une vraie fringale. Hein. Sans déconner, j'ai une vraie fringale. Pourtant, j'ai mangé léger à midi, mais ça n'a pas suffi. Ah, il y a Caro qui a la fontaine. Bonjour, tu as tout ce que tu as besoin à la ferme. Ouais. Attends, Caro, elle est célibataire parce qu'il y a une histoire de... Ouais, elle est pas célibataire. Mais Marou... Oh, mais non, je veux pas draguer la fille. Ah, par contre, Abigail, la roqueuse, elle est célibataire. Harvey aussi. Harvey, c'était qui, Harvey? Attends, Harvey, ça me dit quelque chose, mince. C'est le mec aux lunettes, Harvey. Bonjour, Tunsen. Un petit coucou avant que je prenne la route. Ah bah, bonne route à toi. Merci du coucou, Tunsen, c'est adorable. Non, je peux pas déblayer ça. Ah oui, merde, c'est vrai, il y a la quête de du Pélicanville, là. Oh, mais je suis mort, il est 17h, je suis en PLS, je suis au bout de ma vie. Je suis désolé, je peux pas l'entretenir, là, je fais la causette, j'ai bien bossé aujourd'hui. Attends, la roqueuse, je dis pas que la roqueuse m'a tapé dans l'œil, mais je demande à la découvrir. Ah, c'est lui qui est en... Ah, c'est le médecin, le célibataire. Annonce, j'ai une envie folle de pissenlit. Merci. Pff. Entre parenthèses, je ne veux pas les bouffer par la racine. Merci de m'en apporter, signé Alex. Alors, 120 PO à la livraison rend Alex heureux, heureuse. Graines de haute qualité seulement chez Piel. Alex, il veut des pissenlits. Je veux bien accepter la quête, mais j'ai pas de pissenlit là. Fermé le mercredi, c'est pas plus mal, on a plus que d'une. Oh, j'ai un peu de temps social là. Resto bar, saloon du fruit étoilé. Oh punaise, il y a du monde au bar. Il y a une blonde et je peux vous offrir un verre. Oula, elle fait une tête. C'est Pam. Soupir. Eh, hey, t'es trop jeune pour traîner dans un endroit comme celui-ci. Non mais j'ai envie de dire, je t'emmerde. Eh oh, je bosse à la ferme, je suis un geek. J'ai un passif et l'autre, elle me dit, t'es trop jeune pour traîner ici. Ouais, bah ta mousse, tu vas te la garder, tu te l'offriras toi-même, hein. Oh, l'autre l'accueille.
Non, mais franchement, quoi. Une scène, 1h30 de route sous 33 degrés sans clim. Oh la vache. Ouais, je te plains là, une scène. Tu peux pas. Je sais pas comment t'aider. Du genre, mettre une bouteille au premier plan dans ta bagnole. Mais non, c'est une fausse bonne idée. Ou un linge humide, je sais pas. Enfin, je sais pas comment t'aider là, tu me fais mal. La clim, 90 minutes de vroom. Bah là où t'es. Et j'étais en train de me dire, mais qui c'est qui court après là? J'ai eu peur, mais c'est toi en fait. Je suis arrivé en mode salut! Ouais, je t'ai pas reconnu, j'ai foutu. Ah non, mais là je rentre. Les vitres sont vertes. Bah oui, t'as raison, t'as une scène, ouvre les vitres, ouais. Au minimum, moi, ou deux poissons, et puis après, moi, 23h. Alors, hein. Bulletin météo, vous regagnez, machin. Oui, bah, il pleut demain. Ok, je vais au lit, mais te presse pas, Olive. Hein. J'anticipe. Pas de soucis. Pause pour moi, pardon, je vais me chercher des vrais pains au chocolat. Là, j'ai faim. J'ai vraiment une fringale. Ça me fait bizarre, mais mon corps me le réclame. Je me sens un peu faiblard. C'est rare quand ça m'arrive, ça. Genre... Ouais, mais en même temps, là, on est à fond sur un jeu. Donc voilà. Ouais, non, mais c'est la chaleur qui me bouffe. Je suis pas allé me doucher là. J'ai été la journée sans me doucher et mon corps me dit stop. Jamais. Bah, allez hop. L'inventaire est plein. Je vais me rentrer moi aussi. Petite pause wawa de mon côté. J'avais pas vu le sage, il a de la chance. Il a... Rentre, il est minuit 40, hein, faut vraiment que tu pionces. Là, t'es pas vraiment en train de dormir en fait. Là, s'il n'est pas couché à 2h du matin, il est mal. Oh putain. Ça y est, j'ai mes canalisations qui me font du bruit. Ah ouais, là, il est plus là, là. Là, il va être mal, il va avoir une drôle de surprise, hein. Voilà. Ben voilà, trop tard. Pourquoi ?
T'étais pas vraiment couché. Ah bon? Eh oui. Pas cliqué dessus, donc ce qui fait que, ben voilà. Ah merde. Ça veut dire que je suis en PLS chez le médecin à l'hosto. Voilà. Ah ah. Tu sais, j'essayais de te prévenir à voix haute, tu sais, pour pas que... Et en mais fait, non. Bah non, tu m'entendais pas, quoi. Ah, alors, excuse-moi, mais non, je suis... Non, je me réveille dans mon lit, il se passe rien. Ah non, je suis bien. Non, t'as, moi, il y avait marqué le sage n'a pas pu aller se coucher. C'est-à-dire que toi, t'étais dans le lit, mais t'as pas validé le truc, en fait. Ah bon? Pas validé l'action. Bah, pour moi, il n'y a pas de souci. On a notre pognon, je suis en pleine santé, bon. Plein d'énergie. Il y a Princesse qui est dans le salon avec moi, la cheminée est allumée, il n'y a pas de souci. Je suis bien. Alors, c'est un bug. C'est un bug de la coop. Je sais pas, hein, là, j'avoue, je sais pas du tout. Ah, Nash confirme. Alors, je sais pas ce qu'il confirme, mais... Pour moi, il n'y a pas d'incident. Je suis pas mort. Je suis tant mieux. Alors, j'ai un courrier. Quoi? Oh, c'est mignon! Oh, c'est mignon! Ah, j'aime bien le côté poétique du jeu. Le sage, comment vas-tu, mon chou? Tu me manques beaucoup depuis ton départ. J'espère que ta vie à la ferme répond à tes attentes. Je t'aime, maman. C'est trop mignon. Post-Christom, je t'ai envoyé tes cookies préférés. Oh, c'est là, gentil. Encore des cookies. Elle aussi, elle est allée les chercher dans la poubelle, je présume. C'est une délicate intention, c'est l'attention qui compte. Non, là, je pense pas que ça vienne de la poubelle. Eh oui, ma maman est pauvre dans le jeu, elle a des faibles revenus. Waouh, on a 3 cookies. Très moelleux. Ah, ça dope. Ah, mais je suis con, moi. Quand j'ai plus beaucoup... Quoi? Bois flotté. Et oui, je t'ai dit, quand t'as de la bouffe, n'hésite pas à en récupérer un peu, à en mettre dans ton inventaire quand t'as plus d'énergie. Eh ouais. Oui, je viens d'en prendre conscience dans la vie réelle aussi. Vous voyez, je viens d'avoir une fringale, je viens de croquer hors caméra. Oui. Je me sens déjà mieux. Je vais boire aussi. Quoi? Nash qui dit « Je confirme toute votre horreur. Attention, ils viennent peut-être aussi de la poubelle. » Oui, les cookies, ouais. C'est ça. Nash pense comme moi. Ah, mon Dieu. Attends, j'aime bien. J'y prends goût à Stardew Valley, hein, j'avoue. L'idée de bosser un peu dans la ferme, j'aime bien. Ah oui, là c'est dégueu. Ah oui, là il faut là où. Là je peux y aller. Wow! Oh, mélange de graines déjà. Trop bien. Ah, je suis trop content. D'avoir un mélange de graines et d'avoir le végétal surprise, moi j'adore. Dans la vraie vie, pareil. Tu me fais la surprise, tu me dis rien. Tu m'offres des graines, je m'amuse à les planter. Eh, alors. Anecdote de vie toujours en lien avec le potager de mon copain. Il m'avait dit au début, là, au début des 15 jours, il m'a dit ah, et puis ça, tu vois, la plante là, c'est un kiwi. J'ai dit, ah, je suis surpris, il a planté un kiwi. Et puis il me dit, oh, optionnellement, tu peux l'arroser. Et ben, pendant ces 2 semaines d'absence, je me suis particulièrement attardé sur le kiwi. J'ai pris le temps de bien arroser à tous mes 48 heures de passage. Et ben le kiwi, on est passé de ça. À la fin des 15 jours, le kiwi, il grimpait le long du morceau de bois. Il était déjà 10 fois plus grand. La vache. Bah, et au début, non. Il avait que 2 feuilles. Et là, quand je suis parti et que j'ai essayé de prendre le relais à mon copain, qui revenait de ses vacances, il a fait un peu les gros yeux. Parce que le kiwi, il était, sans déconner, il était bien plus grand. Et il avait plus de feuilles, mais il en avait déjà 8, quoi. D'ailleurs, dans un plan, n'importe quel végétal, si je raconte pas de bêtises, les 2 premières feuilles, ce sont des cotylédons. Voilà. Ah, tu me l'apprends, cotylédons, je connais pas. Non, mais tu fais bien, merci. Cotylédons. Je ne savais pas non plus, et en fait, voilà. Oh,
Alors attends, je réponds à Nash qui m'écrit dans le chat. Dans Minecraft, il est acquis le village désert méga fortifié. Il est à tout le monde. Si tu veux t'installer, tu t'y installes, Nash, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai généré plein de villageois là en trichotant, en faisant la génération 2 de villageois pour qu'il y ait des villageois un peu de vie là. Et j'ai fait ma villa toute proche, mais je l'ai fortifiée justement pour qu'il ne se fasse pas attaquer en cas d'assaut. Et si tu veux construire ta baraque, vas-y. Il y a une. Re-re-re, Morbo. Il y a une bibliothèque sans les murs, quoi. Il y a Remorbeau. juste la table d'enchantement avec les bibliothèques pour avoir l'enchantement max. Vas-y, Nash, sers-toi-en. Et bientôt, je ferai une. Ou si t'en as envie, toi, si t'as envie de faire la bibliothèque, Nash, le beau bâtiment, fais-le. Ah, mais comme il y a des murs autour, je croyais qu'il était à quelqu'un. Non, non, non. Il est juste fortifié pour que les villageois meurent pas des attaques, des assauts, des arbalétriers dans Minecraft. Pardon, hein, je précise. Petite parenthèse Minecraft, je réponds à une question de Nash dans le chat, qui est en train de jouer à Minecraft. Souci. Et j'ai l'air con, moi, de me balader dans le jeu avec un gros rocher au-dessus de la tête. J'ai l'air d'un gros malade. Bref, c'est pas grave. Et non, non, le village a tout le monde, Nash. Il n'y a pas de souci. Tu peux faire un truc, une construction au gré de tes fantaisies, il n'y a pas de souci. Alors, Morbo qui dit fous un coup de bêche sur les asticots qui gigotent. Un coup de Oui. bêche, les asticots. Oui, punaise, j'ai pas pensé à lui dire merci, Morbeau. Ouais. Ah, ça donne de l'argile. Merci, Morbeau. Oui, ça te donne plein de trucs. C'est ça que tu peux récupérer des bouquins aussi. Alors, la gamelle de princesse est forcément. Est-ce qu'il se passe un truc dans la grotte quand il pleut? Elle prend l'eau ou non, c'est sec? Non, je pense pas. Je viens de vérifier. Ma curiosité a été satisfaite. Oh! Je sais pas ce que t'as planté, mais ça pousse bien, Olive. Ouah, c'est beau. Ah, Ouh, on va une bientôt avoir une fois. récolte. Ah merde, j'ai du courrier. Perdu. J'ai perdu ma hache préférée. Si vous la retrouvez, veuillez me la rapporter le plus rapidement possible. Mon travail est très difficile sans ma hache. Il y a 250 pièces de récompense pour celui qui me la retrouve, Robin. Ah bah merde, Ouais, faut que Robin! j'aille la Oh! chercher. Nouvelle Et entrée elle de se journal. situe un peu plus au sud, mais je sais plus à quel endroit exactement. Là, je suis allée voir un peu tout à l'heure et puis je manquais de temps, donc je suis allée faire autre chose, mais Bah, tu m'étonnes. elle est au sud de la ferme. Hein. Alors, attends. Ah punaise, c'est vrai, j'allais oublier. Trop que je plante mon riz, moi. Ah bah, je te prépare le terrain. Là, je suis en train de faire des coups de haut dans la terre qui est en train d'être Oh, mouillée à merci. mort. Oh, attends, je vais planter de mon côté déjà. J'en ai que 5. Hein. Non, 4. J'en ai pas énormément donc. Allez, pacte avec le diable, on signe avec l'entreprise Joja, on rachète tout le Hop. village et on fait la ferme des 1000 vaches. Ouais, l'horreur. Oui, Bien, pour on les fait de paner, oui. l'artisanat par ici. Et tout est cultivé avec amour, je vous le dis, ouais. La qualité, là. Youhou. Oh, de l'argile. Et Morbo dit, mets-toi devant les panés et appuie sur la touche pour valider. Ah. La touche pour dépanner. Attends, je plante mes graines mystères et puis. Alors, les panais. Ah oui! Ah, les pommes de terre sont déjà prêtes en fait. Ah, je pensais pas que c'était. Merde, j'ai fait manger une pomme de terre. Con, je l'ai pas cuite. Il a mangé une pomme de terre crue. J'ai cliqué trop vite en fait. Mais il est pas mort le mec. Oh! J'espère que je vais pas choper une maladie parce que manger un tubercule comme ça sans le cuire, c'est toxique. Oh le con. Je pense pas que tu aurais de problème, mais. Bah dans la vraie vie, il faut pas le faire ça normalement. Nos pommes de terre, on les vend? Ouais, si tu veux, hein. J'ai pas Mais t'as pris le pas la temps de pêcher cuisine. là aujourd'hui. Ouais. Mais... Bon bah ça va Peut-être faire. essayer quand même de pêcher deux, trois trucs, mais. Ça va faire de la thune. Commence à avoir Quoi? mal Un aux genoux pigeon ça? Oui. IRL là. Ah. Ah, qui c'est qui voulait des pissenlits, ces gens quoi. Mais non, Oui, faudrait les ouais, pareil. cultiver. Non mais faudrait les cultiver, on n'a pas de.
Ben non, faut tu peux les cueillir, en te baladant, tu tombes sur des pissenlits, tu les cueilles en fait. Là voilà, t'as pas besoin de les cultiver forcément. Tu vas être comme Schwarzy pendant le tournage de Predator. Predator, je me suis acheté le jeu sous Steam, alors que je l'avais déjà en fait. Mais c'est pour la paresse de l'avoir en démat, en dématérialisé. Alien contre Predator. Je vous le ferai, je sais pas quand, mais je vous le referai bientôt. Parce que ce jeu, je l'ai adoré quand j'étais ado. Je sais pas si ça te parle, Olive. Alien contre Predator, le jeu. Jamais joué, mais ça a l'air bien cool, ouais. Il est excellent. Franchement, il est excellent. Juste pour vous teaser un petit peu, vous dévoiler un petit peu le contenu. Donc vous jouez les trois carrières. Le Marines, donc l'humain. L'Alien et le Predator. Et moi, il y a un truc qui m'avait marqué, que j'avais trouvé génial quand tu incarnais l'Alien. Tu démarres, tu sors de l'œuf. Donc t'es une larve. La première partie de la carrière de vie de l'Alien, c'est toi qui es traqué. C'est seulement quand t'es adulte que tu deviens le tracker, si je puis dire, le chasseur alien. Et en fait, il faut que tu t'arranges pour atteindre ta taille d'adulte, tu dois t'arranger pour bouffer un chat, en fait, dans la base des humains. Oh. Ah ouais, excellent. C'est lequel... alors, c'est pas comme ceux de Cristela Nacheveman, c'est pas un Alien Isolation. C'est bien FPS, mais c'est un ancien, je l'ai fait adolescent, alors j'ai 40 piges, donc... C'est même moins bien graphiquement que Half-Life, tu vois, premier du nom, Nash. Mais il est excellent, il est excellent. On va dire il équivaut le premier Quake. Ça doit être le premier... Oui. Non, pas du tout. Il est vieux d'un quart de siècle, mon Alien contre Predator. Mais il était déjà en 3D et il était génial. C'était une pépite. Et c'est pour ça que je suis motivé à le refaire. Oh la vache, comment l'herbe repousse. Bon, bah j'aurais pas fait grand chose aujourd'hui, mais il est déjà 22h, donc... Ouais, oh, Minette, tu me barres le chemin, princesse, barre-toi. Mais, princesse! Mais bouge ton boule! Mais je sais bien que tu m'aimes bien, mais... Je peux plus rentrer chez moi! Fais bouge! Tu vois, mon beau qui dit, ils avaient chopé la dysenterie pendant le tournage, mais je savais même pas, quoi. Ça devait être chouette. Non, sérieux? Ouais. Les boules. Vraiment, ouais. C'est le tout premier. Le deuxième avait réputation d'être encore meilleur, mais je ne les ai pas fait. Par contre, le récent, c'est de la merde. Ah, le deuxième, je sais pas. Mais je vous referai le tout premier, ouais, parce que je l'ai adoré. Allez, bulletin météo. Vous regardez prout-prout. Demain, il fera beau, ce sera une journée ensoleillée. Ah merde, il va falloir arroser. Ouais. Être bonne. Non, attends, je veux pas dormir tout de suite. Attends. Il me reste encore quelques minutes pour regarder. Agriculture, sociale. Non, sociale, j'ai pas progressé là, je bosse à mort. Oh la vache. Artisanat. Mais c'est vrai, merde, je peux faire des beaux trucs, je suis con. Ouais. Oh, un fait de con. Ah, fournit une quantité modérée de lumière. Faudrait que je fasse ça. Ouais, mais c'est pareil, là, j'étais en train de regarder justement pour faire un peu de lumière, parce que c'est vrai que quand le soir tombe... Ouais, bah, je vais faire un petit feu de camp. On n'y voit pas grand-chose. Je vais faire un chemin en pierre. Oh, on a quasiment 1000 crédits des pommes de terre. Bien. Cool. Ah ouais. Léger. Ouais, bon rendement. Surtout que c'est un petit potager de rien du tout, là, comparé à la surface qu'on a. Votre prédation a été sauvée. J'en reviens pas de la réflexion de la nana au bar qui dit mais t'es trop jeune pour être là. Oui. Ah non, mais... Elle, faut pas que je la recroise. Hein. Alors, bonjour le sage. Ah, c'est le maire qui m'écrit. Demain, nous organisons le festival des œufs sur la place du village. Vous voudriez venir entre 7h et 14h si vous souhaitez y assister. Vous ne voudrez c'est pas... Fête des neneufs. Ouais. Ouais, bah demain, on ira à la fête aux neneux dès le matin. Ah, mais non, je voulais pas arroser ça. Yes. Alors, artisanat. Bois. Et c'était quoi ? Avec du buisson.
De la fibre. Ouais, pas ne sait pas viser. On ne sait pas viser. Oyez, oyez. Alors, un petit feu de bois. Feu de camp. Yeah. Où est-ce qu'on se met le feu de camp? Ne répondez pas à cette question. Alors. Voilà. T'as dû l'entendre parce que je l'ai pensé tellement fort en fait. J'ai pensé tellement fort à la réponse que voilà, je pense que je me suis fait griller quoi. Bah écoute, le feu de camp je le mets à l'entrée, c'est logique. Alors, je voulais faire chemin de pierre aussi. Ah, l'épouvantail, mais on l'a pas fait, merde. Attends. Charmant. Ah oui, attends. J'ai la petite épouvantail. Voilà. On va faire peur aux colboches. Ils bouffent pas les récoltes. Là aussi, je pense qu'il faudra en faire un deuxième. Merde. Oui, on va le mettre là. Voilà, beau. On fait peur au corbeau. Oui, je voulais faire chemin en pierre pavé. Ouais, trop stylé. Ouais, ça aussi, il faut l'entretenir régulièrement. Des fois, ça s'abîme avec les mauvaises herbes. C'est très chiant d'ailleurs. Alors. Oula, Morbeau, ok. Non, mais Pam, c'est l'alcoolique du village. C'est le genre de personne que tu vois tous les jours au magasin passer en caisse avec ses 16 canettes de bière dans le sac et essayer de bloger la caissière en lui disant qu'elle n'en a que 14. Oui, c'est très spécifique comme exemple. Oula, vache, oui, en effet. Non, mais oui, ça adresse le portrait du personnage dur, quoi. Je sais pas ce que tu nous fais comme cérémonie impie là, mais waouh. Bah non, c'est pour qu'on puisse y voir quelque chose quand même. Oui, oui. Alors oui, je sais, ça fait un peu sectaire le truc, mais c'est pas le cas. Voilà. J'en ai mis à l'entrée, devant chez toi et devant chez moi, comme ça au moins, voilà. C'est déjà ça. Alors, regarde au niveau de mes quêtes là quand même. Je peux pas faire que pêcher quand même. Bah non, bah je crois que c'est elle est plus bonne la quête. Bah tant pis. Pêcher. Merde, c'est pas grave, tant pis. T'as la garçon dans le cœur, dans mon cœur. Alors, à ta place, je ferai attention à ne pas devenir le sacrifice. Dinesh. Non, je veux pas être sacrifié sur l'autel. Attends, pourquoi mon truc il est. Ah, c'est bien, le jeu est bon. Par instinct, j'ai deviné ce qu'il fallait faire. Yeah. Hey, j'aime bien l'aménagement. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. La gamelle de la notre princesse est vide. Merde, elle veut faire les gueules. Alors, là. Ah oui, j'ai oublié de la remplir. Non, t'inquiète pas, je m'en charge. Tout pour ma princesse, pourrait-on dire. Voilà, elle a sa flotte. Tiens, elle est partie dans l'arbre, princesse. Ah, c'est l'amour fou, je lui donne un câlin. C'est trop mimi. Hic. Oh, le joli papillon. Bon, je suis plein d'énergie, c'est la mi-journée. Je vais peut-être aller... C'est marrant que la construction ait pas bouffé de l'énergie, tu vois. Pas une secte, c'est un groupe de personnes partageant des croyances singulières, voyons. Dit Morbeau. Bien vu.
Ouais, non, il me faut une hache de meilleure qualité, ça viendra. Pareil, la pioche, à mon avis, il me faudra un marteau piqueur. Je crois que d'ici 6 heures, je vous abandonnerai là parce que je commence vraiment à fatiguer. Oui, on aura bien joué, merci. C'est bien, tu m'as accompagné, génial. Merci tout plein. C'est vrai que là-dessus, ouais, on aura passé un bon moment là. Ah oui, j'ai adoré, merci. Ah oui, à refaire. Tu me diras au niveau de tes. Tu sais que tu me contactes spontanément, puis tu me dis on continue Stardew Valley. Pardon. Ah, je discutais en même temps que j'essayais de pêcher et je me suis chié. Tant pis. Pédu. Voilà. Ah merde, je peux pas passer par là. Après, je vais soumettre un vote à ma communauté. Est-ce que je coupe l'antenne tout de suite? Est-ce qu'on se fait un peu les bibis? Enfin, encore que non, on est peu nombreux, on est trois. Bon, je sais que ça pourrait intéresser Nash. On n'est pas beaucoup aujourd'hui. Ouais, c'est peut-être pas. Non, à mon avis, je vais peut-être couper tout simplement. Je vais me détendre moi hors antenne. Je vais me rafraîchir. Ouais, ça. Prends pas de mal, ouais, la rigueur. Oui. Non, puis de toute façon, moi, je vous retrouve demain. Là je diffuse jusqu'à lundi inclus, donc. Mon programme est déjà annoncé dans mon Discord et puis même vous faites point d'exclamation agenda dans le chat, vous avez ce que je vous annonce dans les heures là. D'ailleurs je sais même plus ce que j'ai prévu demain au programme. Mesdames et messieurs, voici votre programme. Merci Olive. Donc demain matin j'ai déclaré quoi? Ah, Gran Turismo 3. Ah oui, ça fait longtemps. Ah oui, ça va me faire du bien de faire du Gran Turismo. Mais il faut. J'ai pas rebranché la PS2, il faut que je la rebranche. Pareil, la PS3, elle est débranchée aussi. Il faut que je la remette en. Mais je ferai ça demain matin à mon réveil. Ah oui, un peu de vroom vroom de compète. C'est vrai que ça fait longtemps, là. Oui, ça faisait un petit moment, ouais. Ouais, je vais le faire avec enthousiasme. Pareil, mais ce sera le week-end prochain. Il faudra que je reprenne mon évasion de prison, là, The Escapiste, que j'oublie pas. Il était drôle celui-là et j'aimerais vraiment réussir une première évasion. Je ne désespère pas. Alors que je joue en très facile, hein. C'est dire à quel point je suis nul, mais c'est ce qui fait le côté drôle de l'épisode. C'est que le jeu me rend fou et il m'arrive plein d'histoires rocambolesques. Oh bah, eh. Oh, je me suis barré trop vite, il a pas ramassé le caillou. Attends, les fleurs là, je peux les cueillir ou c'est moi? Non, je peux pas. Parce qu'en fait, c'est sur les hauteurs. Putain, mais il n'y a plus que, quasiment que les gros détritus, quoi. J'ai trop bien bossé. Oh! J'adore cette récompense, les graines mystères. M'en fous, je vais aller les planter. Ah oui, la récolte mystère. Merde, je suis en train de me décaler. Oula, on a plus beaucoup de végétaux, je trouve. Oui, bon, on arrête de jouer à cette journée-là ou on fait la journée suivante, virtuellement parlant? Comme tu veux, on peut soit s'arrêter là, soit faire une journée de plus, c'est comme tu veux. Bah, on aura pas mal joué, bon, j'en vais d'antenne un petit peu avant 18h. Bah, voilà, je vais honorer ma promesse, je vais faire le relais de chaîne à Cadeau Anthony. Ok. Bah, oui. Marche. Ah, attends, mon tableau de quête qui clignote, qu'est-ce qui se passe? Terminer la progression, en acquérant l'expérience, nanana, épouvantail, oui, bah oui, j'ai posé 2 épouvantails, je gagne 100 pièces or, ok. Et j'ai nouveau l'âge perdu de Robin. Robin a perdu sa hache préférée la dernière fois qu'elle se souvient qu'elle l'avait utilisée, elle coupait du bois au sud du range de Marnie. Bon, bah on verra ça plus tard, une prochaine partie. Bon, bah... Je sais pas si on peut dire que je suis déjà épuisé, mais j'ai plus grand chose à faire dans la ferme là. Termine ma partie de pêche et puis. Mmh. Et puis voilà. Bon bah, princesse est déjà sur le plumard.
Alors, bulletin météo, demain. Oula! Ah oui, la fête des œufs. Heureusement que la météo me rappelle. Quand on recommencera, bah, on recommencera sur la fête des neufs. Voilà. Mmh. Beau. Exactement. Entre 9h et 14h, on ne se fait pas en retard. Ouais. Oh, le bon filon. Alors. Ah, du minerai charbon. Petite bombe. Chemin en bois. Non, j'ai carrément fait un engrais de base. La pancarte en pierre. Alors, utilise un objet dessus pour changer ce qui est affiché. L'objet ne sera pas consommé. Ah, sympa. Ah oui, c'est oui, tu vas étiqueter tes champs avec les pancartes. Eh oui. Ah oui, t'as fait la torche. Bien joué. Portail, non, j'ai pas fait de portail, je l'ai sous-ouvert. Chemin en quoi? Mais, oh, j'ai un bug. Ah, chemin en pierre. Ah, un autre chemin en pierre. Non, bah, j'ai fait le basique, moi. Ah, j'ai fait le chemin pavé, ouais, c'est un peu différent. Non, pavé, c'est plus stylé. Oh, j'ai déjà des collections. Jonquille, poireau, pissenlit, panais. Oh, il y en a des trucs, pommes de terre. Oh, pas lourde. Alors ça, c'est toi qui l'as découverte. Oui. En allant à la plage. Oh la vache. Voilà, j'ai récupéré des trucs. Oh la vache. J'ai récupéré des moules, des palourdes, des... je sais plus quoi d'autre d'ailleurs. Des coquillages, simplement. Oh, voilà. Oh merde. Comme punaise. Oh au moment où on allait se quitter. Alors, ce que je vais proposer... Bon, bonsoir, c'est très gentil. Bonsoir Aerostar, j'espère que ton direct s'est bien passé. J'espère que vous allez tous bien. Alors, coucou Aerostar. Bonsoir Cruciole, merci, bienvenue. Bonsoir Cruxite. À Stardew Valley, il y a Olive qui tue, adorable, qui m'enseignait. Je découvre le jeu là, qui est absolument génial. On joue en coop. Et on se disait, bah tiens, on va couper l'antenne, peinard, et puis finalement, voilà. Mais comme vous arrivez, du coup, ça change la donne. Ce que je vais vous proposer, c'est de jouer au Bibi, Marble on Stream, si vous restez encore assez nombreux sur l'antenne, si ça vous dit. Bonsoir, 14. Bah écoutez... Dodo, parce qu'il est minuit, là. Oui, merci, Olive. Voilà, je vais couper le jeu. Et on va basculer finalement sur du Marble on Stream. On va faire ne serait-ce déjà un petit grand prix de 10 courses. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Du fun fan. Oh, fun fan qui est là aussi. Oh là là, qui arrive au même moment où je sais pas où vous faisiez partie du raid, mais c'est adorable. Bonsoir, fun fan. Merci d'être là. Alors, coucou Aero, merci pour le relais de chaîne. Bah du coup, on va faire les bibis. Voilà, là, j'ai arrêté ma partie. Allez, les bibis. Encore merci à toi, Olive, pour le Stardew Valley, que franchement, oui, je suis séduit, j'aime beaucoup le jeu. Il n'y a pas de sauvegarde à faire, je pense que je quitte. Oui, non, ça sauvegarde chaque jour. Non, non, c'est bon, ça a été Message a été de FunFan 1992. Bonsoir et bienvenue à la communauté de @Aerostar. Alors, attendez, je vais mettre le... Bah, je vais faire comme ça. Attendez, je vais vous remettre ma tronche en attendant et je vais lancer les bibilles. Ça va être bien, ça va être sympa du coup. Bougez pas, je change juste ma catégorie pour faire les choses dans les règles de l'art. Et je vous lis dans le chat, hein. N'hésitez pas à écrire. Attendez, c'est un petit peu panique à bord. Ouais, t'inquiète. Ah, t'étais sur Disney, je viens de voir rapidement ton signal, Aerostar. T'étais sur Disney quelque chose? Bah, Aladdin! Mais oui, tu faisais Aladdin! Je me souviens, j'avais lu ton agenda, Aerostar. Alors, modifie les infos de stream. Donc, un grand merci à toi, Olive. Hein. C'était génial, j'adorais la découverte. Oui. Bah, merci. Merci pour la position. C'était bien sympa. Ah ouais. Et puis, tu me reviras. Que... Ouais, bah ouais, de toute façon, on se capte, comme disent les Jones. Là, voilà. Je pense que je vais quitter la conversation Discord et puis je vais me poser devant le PS. Là, j'avoue, je suis en PLS. T'as bien raison, repose-toi bien, bonne soirée, merci, bisous Olive. Allez, on file sur la Bibi. Je vous rejoins sur...